Vanessa Masolo, Ambenin Tima Wala Diaspora. Chers amis, bonjour. Fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire le 17h dimanche. Aujourd'hui, dimanche 12 décembre 2021, le 17h dimanche est au rendez-vous. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous avons préparé pour vous en préambule les menaces du ministre Mambundu Rigobert à un compatriote suite à une publication sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous allons débattre ici en préambule. Et notre premier sujet concerne le bilan sur l'opération coup de poing, c'est-à-dire sur la COVID-19, l'opération coup de poing faite par le gouvernement de la République. Et nous parlerons aussi des nouvelles mesures sanitaires à l'approche des fêtes de nouvel an, enfin des fêtes de fin d'année. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur le sujet des fonctionnaires qui refusent aujourd'hui de faire valoir leur droit à la retraite. Alors, chers amis, sans plus tarder, je vais vous présenter le panel qui m'accompagne durant cette très grande messe. Donc, je vais partir du côté de... Je vais partir du côté de Pointe-Noire, retrouver notre très cher ami Audrey Lelo. Audrey Lelo, bonjour. Bonjour, Christophe Léco. Bonjour à tous mes copanélistes, Robert Célestin Mamboudi, Bishop Serge Guacamani, Christy Bouka, Gomelin Landry, et bien le bonjour à tous ceux qui sont toujours scotés sur le 17h dimanche. J'espère qu'on passera une très belle émission. Alors, sans plus tarder, nous restons du côté de Pointe-Noire. Faire appel à notre cher ami Christy Bouka. Je ne sais pas s'il nous entend. Et il a un retour. Oui, merci, chef. Oui, je vous entends. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Christy Bouka. Oui. Bonjour, chef de cours. En tout cas, bonjour à mon grand Audrey Lelo. Bonjour, Bishop Serge Bakwabé. Bonjour à mon grand Landry Ngoemblin. Bonjour à Audrey Célestin. Et bonjour aussi à tous nos internautes qui nous suivent. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous et une belle émission. Alors, merci Christy Bouka. Alors, nous restons à Pointe-Noire. Écoutez, ils sont très nombreux, et les messieurs du Pointe-Noire. Nous allons retrouver Landry Ngoemblin qui se trouve du côté de Pointe-Noire. Landry Ngoemblin, bonjour. Oui. Désolé.
Bonjour, Brice Antideco, bonjour à tous les panélistes et à tous ceux qui nous suivent. Ben, je souhaite bon dimanche et bonne émission à tous ceux qui vont y participer. Merci. Alors, merci Landry Nguemlem. Alors, nous restons toujours du côté de Pointe-Noire. Retrouvez notre très cher Bishop Serge Ngwakamabe. Papa Bishop, Mbotenayo, Losako, Yomotovana Kananjinji. Non, Pandini, oui. Njinji, Yomotovana Kananjinji, Kuna, Mbote, papa. Merci Bishop Serge Ngwakamabe. Nous allons partir du côté, nous allons traverser les frontières. On va laisser un peu ces blédards là. Ils nous ont étouffés là. Ils ont dit que c'est leur mission. D'accord. On vient chez les. On va aller chez les ministres civilisés du côté du Canada retrouver Robert Célestin. Ils sont pas encore rentrés dans la civilisation. Hein. C'est normal. Ils ont un pas dans la civilisation, ils restent encore un deuxième pas. Robert Célestin Mambouli, voilà. Bonjour mon cher ami. Bonjour Brice Landry Deco, bonjour à Serge Mouakamade, bonjour Chrissy Bouka, bonjour Audrey Lélo, bonjour à Landry Gomlin et bonjour à tous qui nous suivent. Brice Landry Deco, très civilisé, là, une certaine manière de nous montrer leur civilisation, ouais, je crois qu'ils feront mieux de faire mieux que ce qu'on voit là, surtout sur la place de Paris, on vous fait prendre parfois. Merci. Merci à toi, mon cher ami Robert Célestin Mambouli. Bon, on revient quand même chez les civilisés. Heureusement, ils sont là hein, pour défendre la civilisation. Alors, nous partons du côté de Lyon, retrouver Gracia Sidune. Gracia Sidune, bonjour. Bonjour, monsieur Deco. Bonjour à tous les copanélistes et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Alors, merci beaucoup, gracias d'une. Alors, écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Notre émission. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons faire un focus sur le préambule que vous avez suivi, vous tous. Vous avez reçu sûrement des audios dans vos inbox où le ministre Mabondou Rigobert, l'ancien ministre de l'Agriculture, ancien directeur de cabinet du premier ministre Clément Mwamba, est récemment nommé je ne sais pas quelle fonction. Et nous nous souvenons aussi, et lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, c'est lui aussi qui a géré les fonds de l'agriculture, que les Congolais n'ont jamais vu où est passé cet argent, jusqu'au point où la Direction générale de la sécurité du territoire s'en est même plaint. Elle devait procéder à une désinterrogation. Il y a eu même des tests, des sommations demandant à ses membres de justifier où était passé cet argent. Et on n'a jamais eu de suite. Et comme par hasard, le ministre Mabondou a été élevé au rang du directeur de cabinet du premier ministre Clément Mwamba avec le rang de ministre ou ministre d'État. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, suite à cette opération ubuesque que nous avons vue depuis l'arrivée du gouvernement Coline Makosso au niveau du ministère de l'Agriculture, il y avait des véhicules qui avaient disparu. Et il y a eu une très grande opération des services de la gendarmerie que nous tenons à remercier et à féliciter ici en direct et qui ont fait un travail pour récupérer les 65 véhicules qui traînaient à la cité. Et malheureusement, nous ne savons pas si les personnes ont été interpellées, mais ça, c'est un problème de la justice. Nous savons comment ça fonctionne. Et nous avons eu un compatriote au nom de Gogo qui a fait une publication en disant ces véhicules, c'était des pratiques sous Rigobert Mabondou et Henri Diombo, et cela lui a valu un appel de sommation ou d'intimidation, des menaces. Le ministre Rigobert Mabondou se réserve le droit, il n'a même pas dit se réserve, il a dit qu'il va porter plainte contre notre compatriote. Donc sans plus tarder, je vais partir du côté de Pointe-Noire, retrouver Bishop Serge Ngwakamabe de nous éclairer sur cette situation que nous voyons, un ministre de la République qui se permet de menacer un citoyen lambda parce qu'il aurait fait une publication. Bishop Serge Ngwakamabe. Merci, chef d'éco. Vu que cet audio ne dure que quelques secondes, je vais essayer de le repasser. Si c'est audible, tu me diras. Si ce n'est pas audible, on commentera son. Voilà.
Chef d'écho, je ne sais pas si ça a été audible. Ah, ça a été audible, je peux te le confirmer, que les téléspectateurs ont bien entendu l'audio qui a circulé. De prime abord, je pense que ce Zig n'avait qu'à la fermer. Pourquoi ? Son audio est révélateur de beaucoup d'autres choses. Voilà. Chef d'écho, dans l'audio, il dit « Vous n'avez pas à me mêler de cette mascarade. » Il est affirmatif. Ça veut dire qu'il est conscient. Il est conscient. Il a eu mascarade, effectivement. Il n'est pas fichu de se constituer partie civile ou de porter plainte dans le cadre de la continuité de l'État contre une mascarade qui s'est organisée autour du parc automobile du ministère qu'il a géré et dont il a passé la main au ministre Ndjombo. Premier élément. Deuxième élément, il dit à la face du monde que il a la liste de tous les véhicules. Donc, il sait précisément ce qu'il a laissé. Mais j'aimerais que le ministre Mabungu nous donne aussi la liste des bénéficiaires du fonds de l'agriculture pour faciliter le travail de la Direction générale de la sécurité, de la surveillance du territoire. Voilà les gros dossiers sur lesquels il pouvait mobiliser son soi-disant avocat pour que l'État recouvre ses droits. Non, il se contente d'appeler gaillardement un compatriote prénommé Gogo pour menacer. Et puis autre chose, quand on veut rester en justice, on ne prévient pas. Ça s'apparente à nos jeunes âges où non, tu restes tranquille à la fin de l'école, tu dis ah chef de cour, est-ce que tu peux s'éloigner la vie, surtout Bunda, la vie calmement, après ok, non d'accord. Donc je pense que ce monsieur avait tout intérêt à la fermer. Et encore, je voudrais faire la remarque à ce compatriote Gogo. Dans un pays, il n'y a qu'une seule excellence. Il faut arrêter à chaque fois que vous voyez un ministre, un député, excellence, excellence. Les ministres ne sont pas des excellences. Un État n'a qu'une seule excellence qui est dans le pays et d'autres excellences qui sont nos représentants diplomatiques, les ambassadeurs. Donc ça, c'est pour ce compatriote. Donc voilà un peu, selon dit Déco, une menace qui visiblement va lourdement desservir le ministre Mabounde, parce qu'il nous a donné du grain à moudre. Il a reconnu qu'il avait mascarade. Il n'a pas parlé au conditionnel, il l'a reconnu. Et en plus, il est conscient que Henri Ndjombo est l'oncle de ce Gogo. De Gogo. Donc, il sait très bien que son successeur à ce poste a organisé une mascarade. Et pourquoi il ne porte pas plainte? Donc, voilà un peu, je trouve ça à la limite ridicule. Il a peut-être cru menacer un plus petit que lui, mais bon. Je vais vous demander tous à partager la vidéo et mettez les étoiles pour qu'on puisse pas nous bloquer la vidéo. Donc, si vous avez un moment, partagez la vidéo. Alors, merci, Bishop Serge Ngwakamabe. Alors, qui veut intervenir après Bishop Ngwakamabe sur l'audio de notre très cher ministre Mabundu? Et tu as aussi oublié Serge Ngwakamabe, parce que sur Ziana TV, nous avons reçu le ministre Mabundu gaillardement avachi dans son canapé pendant la campagne présidentielle. Le ministre Mabundu a précisé en termes très clairs, lorsqu'on lui a posé la question où était passé le fonds qui était alloué à l'agriculture, un fonds que la Banque mondiale avait donné
au gouvernement congolais pour faire lancer et donner un coup de pouce à l'agriculture congolaise. Il a dit ceci en termes très clairs. Ils se sont partagés l'argent et qu'il n'était pas interdit au ministre de la République d'être entrepreneur. C'est faux, monsieur le ministre. Là, par contre, vous pouvez porter plainte à monsieur Dioko. Vous avez menti devant l'opinion nationale. Un ministre de la République n'est pas un entrepreneur lorsqu'il est en fonction. Vous avez partagé l'argent en donnant à vos entrepreneurs ministres de la République pour gérer les fonds de l'agriculture. Vous n'avez pas ce droit, mais vous l'avez fait. Aujourd'hui, aucun Congolais, peut-être nous aussi, nous allons porter partie civile pour ester et vous ester en justice parce que ça commence à bien faire. Alors, qui veut bien prendre la parole parce que nos gouvernants ont oublié même leurs tâches et ne savent même plus pourquoi ils sont nommés ministres de la République. Alors, Nani Alinga Loba, Boko Banga ministre. Nani Alinga ministre. Mais alors, Boso Lola, Boso Gou, Boso Bangate, prenez la parole. Oui. Vous savez, moi, j'adore l'ère des médias sociaux. Calamité, on avait le président du Sénat, comment tu l'appelles encore? Ngolo. Ngolo. Oui. Qu'on avait capturé aussi sur un audio. Oh, bah transféré. Alors, ça, c'est sur le peu où ils ont filtré, ils ont bima. Je me pose la question, qu'est-ce qui se dit dans les coulisses à Bamidi Abattoir? Et c'est comme ça que notre pays est géré, Brice Landry Déco. Hein, c'est un groupe d'amis qui se croient, qui se prennent pour des demi-dieux et qui sont là en train d'intimider les gens. De quel droit? Il y a un ministre, il était là en charge. Et c'est lui qui était en charge. À sa passation de service, bah, véhicule se retrouvait dans bateau. Mais qui on devait indexer? C'est lui. Enfin, lui, il a fait la passation de service avec Henri Diombo sous le mandat oui. de comment on l'appelle, feu Clément Mouamba. Et c'est là lorsque Henri Diombo a fait la passation de service avec Paul Gombo Paul Gombo, et c'est là où on a constaté la disparition de ces véhicules. Voilà. Donc on doit les prendre tous. Bien sûr. Alors maintenant, Yazo Benga, notre confrère Gogo a intimidé, comme a dit Serge tout à l'heure. Mais on n'appelle pas quelqu'un pour dire, non, je vais vous traduire en justice, vous allez faire ceci, cela. Et tu vois, il parle gaillardement parce que ces gens-là, ils se croient, ils se prennent pour des débiles, comme on a dit tout à l'heure ici. Tu ne peux pas appeler, tu as publié un truc, tu as publié, je ne sais pas, des balivernes et tout. Va à la justice pour convoquer Motomotoya. Ça, c'est de l'intimidation pure et simple. Ceux qui m'ont dit, en entendu à côté de la justice, à l'Igigaka pour m'affaire. Et c'est comme ça que notre pays a géré plus en détail. C'est de tout de fil à gauche, à droite. Et Dieu m'a dit que maintenant, on enregistre ça. Non, maman, ça te dit que vous avez enregistré tous ces trucs-là. Ceux qui m'ont dit, bon, ma coloba, vous balancez du bout de sa bisou bapla, c'est tout ça, ma kirele. Ce n'est pas normal, on a un mot qu'à dégainer. On se croit, vous, dans la jungle. Mais comme le dit Joe Curtis, c'est une vraie jungle. Voilà. Ok. Merci, Robert Célestin Mambouli. Alors, la parole. Bon, on repart à Pointe-Noire. Vous avez peur. Ah non, voilà un brave garçon. Landry Ngouemblem. Landry Ngouemblem qui est au pays. Après, on reviendra du côté des civilisés. T'inquiète, mon cher ami. Gracias. Alors, Landry Ngouemblem, micro, s'il te plaît, mon cher ami. Ouais, Brice. Oui. Le problème, c'est même pas question de bravoure, c'est question de simplement de bon sens. Ah, c'est pas question de bravoure, c'est question de bon sens. Oui, ma chère. C'est-à-dire que il faut déjà comprendre une chose dans la mentalité de beaucoup de nos dirigeants. On a tendance à croire qu'une fois qu'on est devenu ministre, on est devenu un super homme, on est devenu une lumière, une exception même de la République. Et que à ce titre,
on ne doit pas recevoir soit des critiques, soit des... On ne peut pas critiquer votre action, qui est en plus une action publique. Et cette mentalité fait qu'aujourd'hui, ça laisse place à toutes ces dérives. Les gens se prennent pour des excellences, comme a dit Bishop. En quoi est-ce qu'on est excellent? Parce qu'il faut savoir une chose, être appelé excellence, il faut aussi briller par l'excellence. Par l'excellence. Oui. Ah oui, je suis désolé. On ne peut pas appeler quelqu'un d'excellence s'il brille par le comportement d'un enfant de la rue. Je suis désolé. S'il veut être perché là-haut par rapport à son grade et son rang, il n'a qu'à aussi avoir un comportement digne de ce nom. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je crois que c'est les menaces en l'air. Pourquoi je dirais que c'est les menaces en l'air? Nous savons, dans ce pays, il y a des ministres qui peuvent envoyer les policiers vous interpeller, vous prendre, vous mettre dans un cachot. Ça, on l'a vu. Donc, s'il passe par des menaces, disons qu'il va passer par la justice, mais c'est bien. Mais ce que je peux demander aussi au ministre Fabien, autant qu'il a ce droit, en tant que citoyen, de porter plainte à un autre citoyen qui aurait diffamé sur sa personne, c'est son droit le plus absolu, on ne peut pas le refuser. Mais ce que le ministre Fabien peut aussi dire, que nous, les citoyens, on peut aussi se constituer partie civile pour porter plainte sur l'action d'un ministre. Surtout les fonds alloués à l'agriculture. Ça, il ne faudra pas que les ministres pensent que ils sont affranchis de ce... ils sont affranchis de cela. C'est bien. Il a ce droit de porter plainte à un citoyen. Il est citoyen congolais, il a la nationalité congolaise, il a le droit. Mais il ne faut pas qu'il oublie. Il ne faut pas qu'il oublie que les citoyens qu'aussi nous sommes, que le même Bobo à qui il a porté plainte, qui va porter plainte, a aussi le droit de se constituer partie civile s'il a des éléments et notables pour nous porter aussi plainte. Moi, je pense que c'est... Pour résumer cette situation, c'est un peu l'euphorie dans laquelle étaient plongés pas mal de nos dirigeants. On a souvent entendu dans ce pays, est-ce qu'il y a Obunda? On a entendu ça pendant des années ici, hein? Est-ce qu'il y a Obunda? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu comptes sur qui? C'est ça, on a entendu ça. C'est qui est derrière toi? C'est tout ça, non? Tu comptes sur qui est derrière? Sur qui? C'est tout ça. En fait, c'est un langage que beaucoup de nos dirigeants, de nos politiques se sont appropriés et qu'il faut qu'aujourd'hui, malheureusement pour lui, il ne savait pas qu'il était enregistré. Parce qu'en fait, simplement parce que dans le téléphone, il y a maintenant les applications où on peut enregistrer un appel. Automatiquement. Il ne savait pas qu'il se faisait enregistrer. Sinon, ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais ça dénote quoi? Ça dénote que Il y a une carence. Il y a une carence dans nos élites, surtout dans le respect des procédures et le respect du rang où ils ont été placés. Ça, c'est ça. Hein, c'est ça que je retiens. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de voir que on a eu plusieurs langages comme ça. Où les ministres se tapent la poitrine. C'est dommage. C'est dommage de voir que des personnes à qui on confie les destinées de la République se permettent d'avoir un tel comportement. Que voulez-vous? C'est un peu la somme de ce que nous sommes devenus. C'est la somme de ce que nous sommes devenus dans ce pays où on confond, tout le monde se confond, tout le monde peut faire comme il veut. Malheureusement. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci à toi, Landry Ngouamlem. Alors, nous allons revenir du côté de Paris, du côté de la France. Allez, du côté de Lyon, retrouver Gracia Sidune. Gracia Sidune. Une fois encore, bonjour, Monsieur Descoux, et bonjour une fois encore aux copanélistes, à celles qui nous suivent et ceux qui nous suivent. Je crois que l'essentiel a été dit sur ce préambule. Moi, ce que je souhaiterais relever, c'est qu'on constate bien qu'il y a
je dirais, un choc entre les anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Et on constate combien, finalement, les réseaux sociaux viennent là impacter, sinon bousculer, les vieilles habitudes qui ont fonctionné sur la base de la non-transparence. Et on voit que les réseaux sociaux sont en train de structurer une nouvelle société quand même. Une nouvelle société qui, le travail du Parlement n'est pas fait. Il y a finalement une forme de Parlement accessoire sur les réseaux sociaux, ce qui est très important et qui donne une impulsion nouvelle dans les habitudes de fonctionnement et de pensée de l'État. C'est une très bonne chose. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, je souhaiterais quand même tempérer cette importance des réseaux sociaux, où il faudra nécessairement quand même qu'on en appelle à la prudence des uns et des autres pour ne pas sombrer dans des raisonnements essentiellement fondés sur des conjectures. En temps d'énonce, je pense qu'il faut avoir une base solide pour pouvoir, quelque part, avoir la certitude de ce que l'on avance, de ce que l'on dénonce. Non pas seulement faire du théâtre pour pouvoir dénoncer et rechercher comme ça. On le voit depuis un certain temps également, le buzz inutile qui ne fait pas avancer les choses. Voilà, donc globalement, pour moi, le plus important, c'est la restructuration des mentalités dans le fonctionnement et la pensée de l'État qu'impulse les réseaux sociaux. Moi, c'est l'élément le plus important. Maintenant, pour ce qu'il y a des menaces qui sont diffusées ici et là, M. Mambouli et M. Gomelon l'ont relevé très brillamment. Hein. Nous sommes dans un état post-conflit. On ne sait pas si nos maux profonds ont été guéris. Je ne suis pas sûr. On tourne encore autour de la considération d'une forme de suprématie. Une fois qu'on a une parcelle de pouvoir, on se considère comme étant un intouchable. Et ça, on le ressent encore dans notre société. Il faudra qu'on travaille communément à faire échec à cette façon de faire pour que les portes nouvelles et les horizons nouveaux puissent s'ouvrir dans la gestion et la pensée de notre État. J'en ai fini, merci. Merci beaucoup, gracias d'une. Bon, là, nous avons aussi reçu le président Destin Gavé, sa caméra est fermée. Alors, Audrey Leloup, qu'est-ce que ça t'inspire, cette situation, les menaces du ministre Rigobert Mabundu? On ne t'entend pas, Audrey Lelo. Tu as un problème de son. Et je crois que ce sont tes écouteurs, puisque ton son est actif. Celui-ci. C'est mieux. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, donc je disais que je crois que tous les prédécesseurs ont tout dit, hein. C'est quand même regrettable de voir ce genre de scène pour un intellectuel comme M. Mambundu appeler un parent de son prédécesseur, qui est M. Ndjombo, et le menacer au téléphone. C'est quand même regrettable, ça n'honore pas d'abord son âge, ça n'honore pas l'expérience qu'il a eue en tant que ministre, d'appeler un individu comme ça et le menacer au téléphone. Mais ceci dit, vous allez constater que en fait, c'est le ministre Ngombo, le tout dernier de l'agriculture, qui est venu un peu confondre tout ce monde-là. En fait, quand Ndjombo fait passation avec M. Mambundu, il y a eu des choses. Il y a eu des choses que Ndjombo n'a pas voulu peut-être dénoncer, en fait. Comme c'est entre eux, le PCT et autres, il n'a pas voulu dénoncer. Et ça a rattrapé le ministre Ndjombo. Il y a des choses qui ont rattrapé le ministre Ndjombo où on l'a accusé de détournement de fonds et autres. Je crois que ça a fallu même, je crois, que son départ du gouvernement. Et moi, je pense que le grand travail, c'est le ministre Ndjombo, le tout dernier. Ndjombo. Voilà, le ministre Ndjombo. C'est lui qui a fait le Ah, hein, Robert, Bishop, nous on peut dire Ngobo, Gobo, nous c'est non, pareil. Hein. Non, Brice, ça c'est le nom de famille d'une personne. Oui, alors, tu sais comment m'appeler à l'école? Tu sais comment m'appeler à l'école? Oh, mais oui, alors. On parle pas de toi, tu n'as jamais dirigé ce pays.
Tu n'as même jamais été chef de bloc ou chef de classe. Chef de classe quand même, chef de classe, chef de classe. J'étais chef. C'est Bombo qui a fait le plus grand travail. Et quand, comme je dis, hein, quand il arrive, il dénonce toutes ces choses-là. Et c'est ce genre de ministre dont la nation a besoin, en fait. Et c'est lui qui est venu mettre la lumière sur la pagaille qui avait commencé depuis Mbounou jusqu'à Henri Diombé. Donc, tout le bruit que fait Mbounou, en fait, il est dans la peau d'un homme culpabilisé, en fait. Il est dans la peau d'un homme culpabilisé. Et comme c'est quelqu'un, ce que je constate de M. Mbounou, il n'aime pas trop qu'on puisse l'éclabousser ou qu'on puisse dénoncer publiquement. Et c'est quelqu'un qui est, quand vous l'écoutez, il est un peu pulsif. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réagit vite directement. Et c'est ça qui a fait aussi qu'il manque un peu de maîtrise, hein, à dire directement à la personne, je vais vous porter plainte, je ferai ceci, je ferai cela. Alors, donc, c'est comme a dit Ngomloem, en fait, c'est ça, c'est les gens qui nous dirigent. Voilà le comportement, je crois que Robert a dit aussi, ça c'est seulement ce qu'on voit là, mais ce qui se passe derrière, ça doit être pire encore que ce qu'on vient de vivre avec le ministre Mbounou. Donc moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. C'est la preuve que il y en a beaucoup d'espèces ce genre et ce sont eux qui font reculer le pays. Voilà. Merci beaucoup Audrey Lelo du côté de Pointe-Noire. Nous restons encore du côté de Pointe-Noire avec Chrissy Bouka. Chrissy Bouka, alors quelle est votre lecture sur la situation, enfin les menaces que vous avez tous suivies dans vos... Oui, merci chef d'écho pour la parole. Ce qui est vrai... Tout a été déjà plus ou moins couvert par mes prédécesseurs. Audrey, ton micro, s'il te plaît. Tout a été plus ou moins couvert par mes prédécesseurs, mais je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, la réaction ou encore l'appel du ministre, nous n'aurons pas déjà sa fonction. Et c'est un peu de ce dont le Premier ministre du Népal sur l'état des droits. Il a bien le droit de pouvoir revendiquer ou encore porter plainte à une personne qui diffame sur lui, sans en le lui accorde. Mais au moins, ce qui n'est pas bien pour un esprit d'équipe, je veux dire, pour la société haute, de dire qu'il y a eu, de dénoncer déjà depuis de son compte, il y a eu une sorte de babégie. Mascarade. Il a utilisé le mot mascarade. Quand il parle de mascarade, ça veut dire qu'il essaie d'exposer ses prédécesseurs. Chose que ses prédécesseurs n'ont jamais fait publiquement, déjà. Ils n'ont pas fait publiquement, ils n'ont pas dit aux gens à l'extérieur du cercle gouvernemental. Donc pour moi, déjà, c'est un manque d'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, qu'ils ne puissent pas aujourd'hui pointer du doigt de certaines personnes de tout ce qu'il arriverait ou qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, il a manqué déjà par cet appel. D'élégance. Il n'a pas un esprit d'équipe, il n'a pas un esprit de solidarité. Et ça, déjà, c'est un problème pour un ministre, pour un homme déjà de sa fonction avec tant d'expérience. Pour moi, c'est une erreur assez très banale et vraiment qui n'honore pas sa position. Donc, c'est tout ce que je pouvais ajouter pour ce sujet. Merci. Non, Bishop, on va faire le tour et puis après, tu reviens. On va faire. Alors, nous restons du côté de Pointe-Noire. C'est facile, la Pointe-Noire, il est à Dolisie. Le président Destek Gavé. Bonsoir, président Gavé. Bonsoir, Brice Landry Déco. Bonsoir à tous les palénistes. Bonsoir à tous les auditeurs de Ziana. Alors, quelle est votre lecture? Je suppose que vous avez suivi, puisque vous avez pris l'émission en cours, vous avez suivi l'audio dans lequel le ministre Mbounou menace notre compatriote, un certain Gogo, parce que notre compatriote aurait fait une publication où il parlait, ses véhicules étaient détenus par les anciens collaborateurs du ministre Mbounou et le ministre Henri Diombo. Bon, mais c'est la triste réalité, malheureusement, de notre pays, sinon du régime qui dure depuis la guerre de 97, donc 23 ans déjà. C'est la même tête, ce sont les mêmes personnes, avec des mêmes réactions animales. Pour rappeler aux téléspectateurs de Ziana TV, c'est que ce Rigobert Mbounou, c'est celui-là qui a géré l'argent de l'agriculture, mais d'une façon opaque. Opaque. Et donc, dans des pays sérieux, je pense que ce monsieur serait voisin de André Okombi-Salsa et Jean-Marie Michel Mokoko. Mais aujourd'hui, après avoir eu à échouer au ministère de l'Agriculture,
après avoir eu à échouer comme directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Clément Mbappa à son âme. Aujourd'hui, on lui a recréé encore un autre poste pour bénéficier des mêmes privilèges. Et il a, c'est lui qui a le courage de parler de la justice. Je pense que s'il y avait une justice dans ce pays, la première personne à qui on devait mettre la main dessus, c'était lui. Parce que c'est un criminel économique, ce monsieur. Un véritable criminel économique. Donc, bon, mais vous savez, dans ce pays-là, nous sommes habitués à ce genre de choses. Nous avons tous, nous nous rappelons tous d'un complot, très récemment, où Madame Inès Ngani complotait avec un jeune, aujourd'hui qui est devenu responsable d'un mouvement. Mais nous avons tous vu comment le président de la République avait pris un décret pour limoger cette dame. Mais à notre grande surprise, elle est revenue non seulement au gouvernement, mais elle a aussi pris la tête de l'organisation des femmes, donc la partie féminine du Parti communiste du travail. Donc le grand problème aujourd'hui, ce n'est même pas le ministre Mabondou et autres, mais le grand problème, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a failli dans ses missions, qui a failli dans le sens où il est incapable aujourd'hui de sanctionner les mêmes personnes qui ont eu à piller la République. Ce sont les mêmes personnes qui reconduisent à des postes de responsabilité. Et la haute cour de justice n'est là que pour du beurre, pour embrouiller les Congolais. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que Mabondou n'a pas de leçon à donner à Ndjombo, vice-versa. Les deux, ce sont des criminels économiques. Ils ont pillé la République. Ils ont toujours été cités dans des scandales financiers. Ils se sont enrichis illicitement derrière le dos du peuple congolais. Donc, voir de tels spectacles. Mais je pense aujourd'hui aussi, la justice congolaise a une occasion en or. Une occasion aussi, parce que si on a mis la main sur ces personnes-là qui ont eu à voler les véhicules de l'État, ça peut être considéré comme une autre trahison. Donc, il est temps peut-être que le procureur de la République diligente une enquête là-dessus, afin que ces personnes, cette fois-ci, au moins, nous sommes quand même dans un nouveau quinquennat. Le président Sassou ne doit pas continuer à briller par la mauvaise foi de ne jamais condamner les pilleurs de la République. Donc la justice a une occasion de mettre la main sur ces délinquants économiques, ceux qui ont pillé notre République, ceux qui ont volé les 14 milliards des générations futures, ceux qui ont plongé le pays dans le noir, où le peuple manque d'eau, d'électricité, où il n'y a pas d'emploi pour le jeune, où la situation sanitaire est très précaire, où les élèves étudient à même le sol alors que nous sommes un pays producteur de bois. Voilà la réalité du pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je remercie infiniment nos amis de la diaspora, ceux qui ont eu ce courage de créer des médias comme tels pour permettre à ce qu'on puisse débattre de ces questions. Et en passant, je voulais donner un carton rouge à M. Philippe Mouveau, qui n'a rien à faire, qui n'est de faire des sorties hasardeuses, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, tous les médias sont contrôlés par eux. Donc, il n'y a plus une information crédible. Ils font la volonté du régime matin, midi, soir. Donc, c'est grâce à vos médias comme Ziana et autres que nous profitons de passer les messages pour que nos compatriotes soient informés. Merci beaucoup, mon très cher président Destin Gavé. N'en déplaise à Landry Tshitembo, je vous signale que Destin Gavé est président d'un parti politique. Donc, à ce titre, on peut l'appeler président sans pourtant que cela vous fasse et vous provoque des démangeaisons, mes chers amis. Alors, Bishop Serge Nguakamabeto, les cas n'a point tenu à pas. Je voudrais juste conclure sur ce dossier. Oui, vas-y. En lançant un appel au ministre Ndjombo, que je sais qu'il nous suit de temps en temps, il faut qu'il note que le ministre Mabondou le taxe d'avoir organisé une mascarade. Voilà. Donc moi j'exhorte le ministre Orin Djombo de poursuivre le ministre Mabondou. Voilà. Deuxième appel aux dirigeants de la direction générale de la surveillance du territoire. Le ministre Mabondou vient de déclarer dans cet audio qui nous donne beaucoup de matière qu'il a la liste de tous les gens qui détenaient les véhicules. Voilà. Donc on peut supposer qu'il est tellement rigoureux, voilà, tellement travailleur, qu'il a aussi la liste de tous les bénéficiaires du fonds de l'agriculture. Donc le général Philippe Obara, des pistes sacrées du champ. Il a gardé la liste des gens qui détenaient les véhicules. À plus forte raison, il a la liste des bénéficiaires du fonds de l'agriculture. Ce qui a dû exactement. Il est rigoureux.
Clair, Rigou. Il va donner ça à Obara et puis l'enquête va poursuivre. Voilà ce que je tenais à dire. Merci, merci. Merci, merci, mon très cher Bishop. Merci, Bishop Serge Gwakabe. Et c'est ça aussi qu'on appelle par restaurer l'autorité de l'État. Bon, chers amis, nous allons passer par le premier sujet parce que nous étions sur le préambule. Le premier sujet concerne le COVID-19 au Congo-Brazzaville. Ah, Bandeko Nanga, il faut que nous avons un mboka. Nous avons un peu de mingi kuna batoya. Ya Njinji, Brazzaville, Batoya Pointe Noire, Lubomo, Dolizibo, Yamabambo, Tenebiso, Batoya Gamboma, Djambala, Oyo, Owando, Infondo, Enyele chez moi là-bas aussi, Ibo Yamalosako, sans oublier à Boko Kinkala, hein, à Mosenjo, Ankaï, Ludima, Mbokanabiso, Kito, Kondengwana. Mais, Baninga, Toyoki, Mikolomi, Bale, Uchi Koleka, porte-parole à gouvernement, Papa Thierry Mungala, Azwa ki maloba, a lobi na biso boye, que la COVID-19, soki le COVID-19, opération coup de poing, oh, bango ba sali, ba sepeli nango mingi, parce que opération coup de poing wana, est stoppé la troisième vague ya COVID na Congo Brazzaville. Ba sepeli makasi, yango wana à partir de maintenant, c'est chez Audrey Lelo que nous avons en vol. Bah, c'est peli angwana va diminuer ba restriction na weekend comme couvre-feu zalaka lokola mokolo ya lelo et ngai banana 19 et komi sikoyo na 23h mikolo misu so na pe 23h ba komisi pe population ba lobby bango ba sali makasi bino pe bo sali makasi ba sali ba vaccination ndenge moko ya malamu donc yango ana et to kolekisa ba fête na ndenge moko pe ya malamu na sima ba fête ba kosa le point ce qui Fongo ba longola, soki ba couvre-feu, soki ba ninwana. Bon, biso to si to sala ki emisyon ango awa. To sala ki bidon wana. O biso tout to bengi opération coup de poing. E zala ke échec. Mena lingi pena rappele bino. Premier ministre abimisa ki 4,5 milliards. 4,5 milliards. Pona ko sala opération wana. To senga ki ba laksa biso nini ba soma kana ba 4 milliards. Mosa nini ba sali. Bango ba lobi ti ba reussi mosala wana. Donc, biso to lingi to pesa bino maloba, bo sakola na biso, bino surtout bo vanda kana njinji kuna. Hein? De façon concrète, palpable, soyez palpable, réel, bo ye bisa biso, bo moni ba changement, ba to ba kou fali sou soute, bo moni pe ba gomba kaboli ango, bo moni pe ba vaccin, bo ye bisa biso mwa ba element, parce que pour, le porte-parole du gouvernement, le tango à lobby, on n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Alors, Audrey Lelo, quand tu es à Pointe-Noire, mon cher ami, l'opération coup de poing, a été un succès à tel point que au Congo on a réussi à endiguer à arrêter la troisième vague de Covid. Même biso on a pototo ko lemba ngo mais bino kuna bosali miraclement qu'on a évité. Bon tu sais ça qu'on a vu ce papa. Non, chef d'écho, tu vois même que ça me fait rire quand tu jettes les éloges à ma chère commission. Et de lutte contre la pandémie du coronavirus. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, chef d'écho? Jusqu'à présent, ce comité nous a pas fait un rapport, déjà les 45 jours de l'opération coup de poing, parce que quand je parle de rapport, nous montrer au départ, voilà les chiffres qu'on avait, avec l'injection des 40 milliards, on a acheté tel équipement, on a fait ceci, on a fait cela, voilà que ça a réduit le nombre de contaminés, ça a réduit le nombre de décès. Et après, voilà, là où nous sommes arrivés, à la fin des 45 jours, voilà le bilan. Jusqu'à présent, chef de co, je ne sais pas si il y a une autre chaîne télé Congo ou ailleurs où on fait passer, comme on appelle ces statistiques-là, depuis le lancement de l'opération coup de poing. Voilà, je pense à coup de poing. Je crois que l'émission passée, je vous ai raconté une anecdote où déjà, au sein même des officiers supérieurs de l'armée, les gens commençaient à ruminer, hein, disant que, voilà, bientôt deux ans, nous sommes dans cette affaire de couvre-feu. Donc moi, je ne suis pas trop étonné hein, qu'on puisse alléger un peu les conditions de couvre-feu et autres. Mais, chef André Dico, ça n'a apporté rien du tout. Ça, c'est ma propre analyse. Ça n'a apporté rien du tout. Parce que pendant même l'opération coup de poing, on voyait les bus mal à l'aise toujours remplis. On,
voyait dans les marchés domino, les gens étaient toujours là, confinés, sans masque, sans ceci. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on voyait les policiers dans la circulation en train de vérifier un peu dans les usagers, est-ce que quelqu'un a porté son masque, est-ce que. Mais en général, je ne vais pas dire du n'importe quoi, en général, je n'ai senti aucune différence, d'avant et à ce jour. Dire que hier, il y avait ceci, aujourd'hui, ça réduit, comme on appelle le nombre de contaminés ou le nombre de décès, je ne sais pas, je n'ai aucun chiffre, chef de commerce. Sauf que ce qu'il faut, retenir, c'est que les gens se sont tranquillement gavés des 4 milliards. Parce que 4 milliards, chef d'éco, ce n'est pas 40 millions. Il faut bien préciser, hein, se sont bien gavés parce qu'on a destin gavé aussi sur le plateau. Hein. Non, voilà. Non. Le verbe gavé. Voilà, le verbe. Donc, les gens se sont bien gavés tranquillement. Oui. Et voilà, c'est passé comme ça. Et voilà. Donc, nous, population de Pointe-Noire ici, en tout cas, ça a plutôt, chef d'éco, ça a plutôt réduit la liberté des populations. Hein, les mariages, pendant 45 jours, les gens ne pouvaient plus fêter comme ils se doivent, les gens ne pouvaient plus enterrer leurs morts comme ils se doivent, les gens ne pouvaient plus être libres de rentrer chez eux juste à X heures. Voilà. Donc, ça a été quelque part, moi j'ai toujours dit, Bruce Pico, ça a rangé un peu les services de sécurité, parce que quand tout le monde rentre chez soi à une heure donnée, là au moins, on a la maîtrise, comme on appelle, de la ville, on a la maîtrise de la population, et voilà. En tout cas, mais en termes de santé publique, en termes de tout ce qui est sanitaire, ça n'a rien résolu en tout cas. Donc voilà, moi c'est l'analyse que je fais moi. Ça ne m'étonne pas, ça me dit absolument rien, le fait qu'on a passé les 45 jours et après qu'on a mis fin à toutes ces restrictions-là. Voilà, Chabé. Merci, Audrey Lelo. A Wapeka Kana Tribune Nabiso à 17h dimanche. Et tout ça, là, qui est émission de Konangaï, Serge Nguakamabe m'avait fait le reproche. À cela qui nous reproche, tant qu'on a ramené que Makambo Oyo Yabiso va bengi porte-parole Thierry Mungala à Lubaki. Ya Lubaki nanga yo kanisi Makambwana Oyo Thierry Mungala Lubaki zala ki officiel à Lubaki on kana page nai. Mais moninga nanga lelo c'est Thierry Mungala parler sur la page officielle du ministère de la communication. Il a signalé à Lobby Nabiso en termes clairs, même ceux qui, nous, on comprend pas trop bien le français, et puis on parle très mal, mais il a dit ceci, l'opération coup de poing a permis de freiner la troisième vague de COVID. Donc, c'est pour cela, on a levé certaines restrictions, hein, donc, et il encourage la population de continuer dans cet élan, de telle sorte que après les fêtes, et s'il faut retirer toutes les restrictions, bah, qu'on retire en gros. Alors, toi qui es à Pointe-Noire, tu es passé par la COVID, le COVID ou la COVID, c'est pareil, hein. Excusez-moi, mais c'est pareil. Ça collabisse au Lobanabisso, bah, changement au Moni pendant les 45 jours pour que, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, vienne se vanter devant les médias. Chef Deco. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est premier, hein. On peut tout reprocher à ce gouvernement, tout lui reprocher, mais reconnaissez-lui quand même le mérite de nous faire rire. Le gouvernement nous fait rire et c'est bien pour la santé. Quand je dis ça, chef d'éco, vas-y. C'est bien pour la santé. Vas-y. Regarde, tout à l'heure, tu as rappelé que Nabela qui Covid, oui, mais je te dis que rien n'a été fait à l'endroit de mes cas contacts. Rien. C'est ça, là, l'opération COVID au Congo. Rien n'a été fait. C'est moi-même, par éducation, je me suis isolé 2 semaines. Mais je voudrais d'abord aborder cette opération sur le volet des chiffres, Brice. On a déboursé 4 milliards et demi pour l'opération coup de poing. Cette opération avait été déclinée en 7 points. Il semblerait, aux dernières nouvelles, que le gouvernement, sous le lead de Colin Makosso,
avaient décidé de faire focus sur la vaccination. Au final, ils n'auront atteint à peu près que 30% de leur objectif. Donc, c'était 4 milliards et demi pour 750 000 vaccins. Ils n'en ont fait que 30%. Donc, moi, je demande, en tant que citoyen, basons sa monnaie ou en la caisse. 70% est en bon, voilà. Ils avaient 4 milliards et demi pour 750 000. La Salika a 225 000. Donc, monnaie est égale 3 milliards 150 millions. Basons sa monnaie ou en la trésor. Monnaie. Voilà. Ça, c'est non, mais basomi carburant. Il n'a pas fait de voyage, non, attention. Il n'a pas fait de voyage parce qu'on va se retrouver comme la construction de route de 1 km qui a coûté 12 milliards. Hein. C'est 7 milliards. C'est ça au Congo. Plus sérieusement, oui. Les gens parfois disent que les gens qui nous dirigent ne sont pas intelligents. Vous savez pourquoi on a desserré les taux dans la fête à fin d'année? C'est pour anticiper la grande sociale. Voilà. La misère que nous traversons, Naba Kouron, Naba Maï, Naba Baré, ça monte tellement que vous avez dit que vous avez fait samedi, tu continues à 20h, dimanche, tu continues à 20h. Donc, jour férié, Noël, Nabonani, tu continues à 20h. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont lâché un peu de zèle. Vous avez l'impression que le gouvernement est sali. En réalité, qu'est-ce qui a changé? Rien. Qui a dit qu'on pouvait se contaminer davantage en jour de semaine qu'en week-end ou en jour férié? Personne. Mais ils anticipent. Non, on doit lâcher un peu de l'est. Il faut quand même pas vivre. Et moi, je prends le pari ici, Brice. Ce qui va faire et l'équipe, ils vont encore inventer un truc pour resserrer les mesures. Bon, bah, soit ceux qui va subvention à OMS ou bien à Banque mondiale. Oh non, et non, surtout pour faire sortir l'argent du trésor encore. Il y aura encore une opération pareille. Il y a moins de gens opérer, non? Oui. Tous les jours, on doit demander la monnaie. Ils n'ont pas atteint les objectifs. C'est pas une sa monnaie, la question. Voilà. Maintenant, pour ne pas, caporaliser la parole et venir sur des cas factuels. Brice, dans les 7 points de l'opération, coup de poing, il y avait par exemple le 7e point qui consistait à un contrôle rigoureux. Je te dis, Brice, jusqu'à aujourd'hui, à contrôler les cannabis. Quand il y a un mungala, la tsaki exemple, à Kokigo. Mais dans les établissements financiers, parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein, ils ont exclusivement mis les contrôles dans la banque, dans la microtech, dans la microfinance. Ce sont les gardiens de, je ne vais pas citer les sociétés, la vigile, hein, parce qu'ils ont un papier, d'ailleurs, la mise sur la banque, il y a un lecteur à code qui est, la Tali, après la PCO. Donc, ils ont été incapables même d'acheter des lecteurs qui est. Voilà. Incapable d'acheter. Donc, moi, je suis révolté parce que Mbongwana, on aurait pu faire autre chose avec. Bien sûr. Donc, je veux m'arrêter là. Moi, ma bataille maintenant sur ma page tous les jours, pour raison que ça me connaît, on est notre trésor. Alors. Cette opération a été une grosse, mais vraiment une grosse arnaque. Alors, qui. Le gouvernement, je lui tire son chapeau parce qu'il a quand même la dextérité de nous faire rire. Merci, Chabé. Oui, non, c'est vous qui traitez ce gouvernement d'incompétent. Bon, moi, il y a ma compétence. Ils sont compétents, ils savent comment faire. Alors, Landry Gwemblem, il ne faut pas rigoler derrière ton micro. Il faut prendre la parole, mon cher ami. Vous qui êtes... Brice. Oui. Brice, vous savez, comme a dit Serge, ils ont le mérite de nous faire rire. Mais c'est vrai en plus. Au moment, ils ont ce mérite. Vous êtes méchant quand même, hein, moi. Mais bon. Un certain moment, il faudra se poser des vraies questions. Est-ce que le ministre Thierry Mungala est passé à la télévision, il a fait son cinéma, son homélie. Non, il a fait son homélie où il a prêché pour sa paroisse, ça c'est bien. Mais le problème, le taux des vaccinés, on a combien? Le taux des vaccinés dans la République, on a combien? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Ça ne sert pas de venir distraire les gens. On a eu combien de doses? On a vacciné combien de personnes? Quelles sont la progression vaccinale au pays? Tout ça, on ne sait pas. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du fait que... Ça me rappelle un événement qu'on a eu dans ce pays, on appelle la mémoire courte. On a eu l'école à la maison. Ça me rappelle un peu ça. Hein, quand il y a eu le phénomène, pendant la première vague, on nous a sorti... École à domicile. L'école à domicile. Ça me rappelle un peu ça.
Ben, les acteurs n'ont pas changé, malheureusement. Les acteurs n'ont pas changé. Hein, c'est juste qu'on a un peu agencé les gens de gauche à droite. Les acteurs n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes acteurs. Ils ont ce génie de nous sortir dans leur je vais dire des intestins ou des lumières, pour occuper la population, pour nous diriger vers une distraction. Parce que moi, j'appelle ça la distraction. Honnêtement, quand j'ai appris la fin de cette opération, je me suis posé la question. J'ai même posé la question à une personne en tête. Elle avait débuté quand? J'ai posé la question à une personne. J'ai dit, mais en fait, cette opération a débuté quand? Parce que j'ai été surpris de voir qu'on clame haut et fort que cette opération s'est bien tenue. Mais est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous dire les certificats que les gens ont eu dans la ville aussi, par exemple? Je connais des gens qui vont vous dire qu'ils ne sont jamais vaccinés. Ils ont des certificats qui présentent dans leur entreprise. Comment peut-on expliquer ça? Mais ayez au moins la décence de dire que on a essayé, on a eu ça. Ne venez pas clamer haut et fort. Est-ce que ça a été une réussite? Ne prenez pas des gens qui sont dans cette république que tous sont aussi ignorants et idiots pour ne pas comprendre les mécanismes qui poussent les uns et les autres à avoir certaines décisions, de prendre certaines directions. C'est ce manque d'humilité que je trouve chez les politiques congolais, c'est que chaque fois quand vous les écoutez, ils ne vous parlent que de réussite. Mais malheureusement, quand nous faisons le bilan de quand nous faisons la somme de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, tu poses la question, mais ils vivent dans sur quelle planète ces gens? Quand ils vous parlent des réussites, ils vous parleront de toutes les actions menées par les gouvernements, même ceux qui ont précédé le gouvernement de Polynésie, ils vous parlent que des réussites. Ils ne vous parlent que des réussites. Curieusement, dans le quotidien des Congolais, on se pose la question, mais ces réussites, c'est dans leur maison, c'est dans leur famille, ou c'est dans leur village, on ne sait pas. Parce que quand le ministre parle que c'est la réussite, est-ce qu'il peut, il peut nous dire, on peut faire un exemple, je peux prendre ça, je me rappelle, à témoin, lui dire, on va au marché, on demande à toutes les personnes qui sont au marché combien pourront te présenter leur test de vaccination, leur certificat de vaccination. Je voulais dire, à un certain moment, faisons autrement. Ça fait 23 ans que ça dure. Ces méthodes ont montré leurs limites. Hein, ces méthodes ont montré peut-être leurs limites. Il y a toujours se taper la patrine. À un moment donné, hein, il faut là qu'on s'assoie, qu'on change les. Qu'on change de logiciel, parce que ces disques durs là, ces systèmes d'exploitation sont devenus obsolètes, tellement obsolètes que ça fait rire. C'est le rire de Wakamabe, c'est le rire que je partage, parce que à la limite, ne vont rire parce qu'on se dit bon, ils sont des jusqu'au boutistes qui sont prêts à aller même au même plus loin que leur premier. Mais ils ne reculent devant rien. Ils n'ont pas l'humilité de dire faisons autrement, parce que là, nous savons on a fait que n'importe quoi. C'est cette humilité qui manque à nos dirigeants. À un moment donné, il faut qu'on arrive à la voir. Parce qu'on ne peut pas construire une nation dans une autosatisfaction permanente. Non, c'est pas possible. Hein, tous les jours, tout va bien. On fait toutes choses bien. Et curieusement, bon, j'aurais aimé interpeller un frère, mais malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas sur le plateau. En plus, il a dit qu'il a la bouche pleine. Bon, malheureusement, il ne peut pas parler parce qu'il a la bouche pleine. Je terminerai par là. Merci, Landry Gweblin. Bon, je vous signale qu'il y a Autorité civile qui nous a rejoint. Donc, bon, je suis désolé, je vais lui donner quand même la parole.
parce que là, on a suivi des discours à charge contre le gouvernement de la République. On va les donner, lui qui est du côté du pouvoir, puisque peut-être qu'il va nous donner des informations que nous n'avons pas. Et lui, il détient peut-être des informations pour éclairer, étayer la version de Thierry Mungala, comme quoi ça a été vraiment une réussite. Autorité civile, bonjour. Micro, s'il vous plaît. Micro, votre micro. Bonjour, Pomba. Oui, bonjour, Pomba. Bonjour. Non, mais merci. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Mm-hmm. Je voudrais simplement demander à mes prédécesseurs de ne pas tirer le pays vers le bas. Il faut d'abord encourager les efforts que le gouvernement consentit pour sa population. Le travail de l'autre paraît toujours facile. Je connais un qui, hier, à l'hémicycle, attaquait le gouvernement, mais depuis qu'on l'a placé au gouvernement, il n'arrive pas. Il faut le virer. Autorité civile, on n'encourage pas quelqu'un qui fait 2 sur 10 à un examen. 2 sur 10. Bino Boldova Kiawa. Non, Robert. Bino Tango Boldova Kiawa, autorité civile n'a pas intervenu. Il vous a laissé vous exprimer sans problème. On peut le laisser parler, non? D'autant plus que vous êtes nombreux par rapport à Botchikaye Nanyaloba. Autorité civile, je suis là, je te protège. Même ceux qui n'ont dit que non, beaucoup salam Allah, mais maintenant, on va vous protéger. Tu as la parole, autorité civile. Merci. On donne la parole à autorité civile. Merci à vous. Voilà. Merci, Yaya. On dit, gouvernement, la victoire, un bon cas de salam, salam, salam. Il faut que la population soit encouragée. On m'a dit opération coup de poing, le ministre Thierry Mungala, je connais ce que la communication, c'est qui est avant-hier. Mais le Congo a pu aujourd'hui éviter la troisième fois. Il faut encourager mes frères. Mais les lois, vous voyez, ce qui corona et aussi la ravage de la Congo, c'est parce que le président de la République a fait un meeting. Agir par précaution, voilà, pour que tu évites qu'on la corona. Le long vaccination, même s'il va atteindre, au moins, objectif, il y a un plan, le Premier ministre, le budget, c'est en recettes et en dépenses. Elle dit prévision, elle dit réalité. C'est comme Balba qui dit non, il ne faut pas faire vacciner 700 000. Oui, mais il y a l'objectif à atteindre. Mais ce n'est pas forcément qu'il faut essayer de manger. Donc, c'est un échec. Non, c'est un échec. Échec, c'est lorsque on a pas pu le faire. C'est-à-dire qu'on a eu à faire, par exemple, zéro vacciné. C'est là où on trouve un échec. Mais atteindre 37%, ça veut dire que Moussa et Salami. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui ne pas les faire vacciner. Oh non, vaccin, on est pour moi, vaccin, on est pour moi. Mais c'est ça. Il faudrait que lorsque le gouvernement a quand même atteint le niveau de 35%, il faut encourager, il faut dire d'accord, il faut encore plus d'efforts. En 45 jours, on a pu atteindre 35%. Mais hier, à plus de 6 mois, on était peut-être à 3%. Voilà. Donc, aujourd'hui, en 45 jours seulement, nous avons 35% de vaccinés. Il faut encourager. Il faut dire oui, le gouvernement a quand même fait quelque chose. Non, je vais juste corriger quelque chose. Tu racontes des bêtises. En 45 jours, on n'a pas atteint 35% de vaccinés. Non. Votre opération coup de poing durait 45 jours avec un objectif de 750 000 vaccinés. Vous avez atteint 30% des 750 000, soit 225 000. Ne raconte pas de bêtises. Le taux de vaccination au Congo n'atteint pas 10%. Tu peux continuer. Nous avons atteint 35% des personnes vaccinées. Non, de votre objectif, vous n'avez pas. Sur les 750 000. Na Congo, Thierry Mungala a dit que ça avoisine maintenant 15%. Ce qu'il a dit dans son truc. Donc, autorité civile, ce n'est pas 30%.
Non, on va expliquer à autorité civile. Autorité civile, hein. En 5%, c'est ah. Non, s'il vous plaît. Oui. Non, je ne comprends pas. 35% par rapport à l'opération. Oui, sur les 750 000. On va faire 5%. D'accord, oui. Voilà. Bokende qui n'a objectif, voilà. Bolinga qui va vacciner 750 000 personnes. Bosali Kaka, 225. Voilà. Bobimisaki, 4 milliards et demi pour 750 personnes. Bosali, 225 000 personnes. Donc, Batomisuso, Batikalo, donc Mbongo Pe Tikali, Nimbongwana, Papa Serge Ngokamaba, Sengi Fobo Zong et Sango. Tolingi to mon Mbongo Wana. Tu as calculé déjà Ango, tu as une règle de 3. Ah, autorité. Boyi bami somaka si boyi. Ah, bino eh. Qu'est-ce que vous faites dire que moi ici? Ah, yangwana. Mais effectivement, donc bazongisa. Tu bazongisa ngo pour l'opération ngo ici. Le trésorier de l'État, c'est le trésorier. On va laisser autorité civile terminer. Autorité civile, vas-y. Il faut poser la question au gouvernement, et puis député, sénateur, on va poser la question au premier ministre. Donc le premier ministre ne peut pas communiquer de façon claire, hein. C'est-à-dire que le premier ministre ne peut pas être transparent. Sauf qu'à ça, le communiqué n'a oublié le porte-parole du gouvernement ne peut pas communiquer de façon claire, non, hein? Si, c'est possible. Ah bon, voilà. Pourquoi pas? C'est ce qu'on demandait, c'est tout. C'est possible. Non, mais c'est possible. D'accord. Pourquoi pas? Ceux qui. Autorité civile, est-ce que tu nous confirmes aujourd'hui que le Premier ministre va prendre la parole dans un média dans les prochains jours, comme tu nous avais dit, pour s'expliquer sur l'opération coup de poing? Je le connais homme de médias, très pertinent. Lorsqu'il a lancé l'opération, il a communiqué au lancement, pendant, je crois qu'après aussi, il va le faire. D'accord. Donc, à cette occasion, il nous donnera au moins bon nini dengelina tuzango. Voilà, ma chiffre Tikalipe et Zaliboni. D'accord, ton dimi. Alors, donc, il faut chuter pour que tu puisses appeler parole à Mamisous Banigba Loba. Vas-y. Merci. Nako chuté dire que Yasson Babé. Dans le gars qui a fallu le bâton, oui, à cette moisson-là, quand même, oui. Mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Il faut juste ajouter ma mesure, ma casse, pour que l'opération prochainement les ala, très suite. D'accord. Ok, merci. Bon, tous on a une apoto à Wabwe. Et Gracias Dune, donc tu as suivi l'intervention, ceux qui sont au pays, ceux qui sont au cœur de l'action, ceux qui ont pu dire, toi, avec ta vision un peu éloignée du côté de la diaspora, quelle est la lecture que tu peux faire aujourd'hui sur les déclarations du porte-parole du gouvernement Thierry Mongala? Merci M. Deco pour la parole. La première réflexion qui me vient, c'est celle d'encourager les gens à continuer à être rigoureux, parce que la crise sanitaire est réelle. La maladie est là. Il faut nécessairement continuer à se protéger et à respecter les gestes barrières, parce qu'il y a besoin. Une fois que j'ai dit cela, j'aimerais réagir aux encouragements de M. Nolt. Je constate tout simplement qu'on est rentré un peu dans le système du pays. Il y a souvent des encouragements comme ça. Même lorsqu'il s'agit des petits résultats, on a besoin d'encourager. L'observation que je peux en formuler, c'est qu'on est tellement descendu bas dans notre pays, les résultats sont tellement petits, que lorsqu'il y a un très petit résultat, comme la grandeur des résultats n'existe plus dans ce pays-là, et bien on se contente d'encourager, parce que ça sort de l'extraordinaire d'avoir des petits résultats. Une fois que j'ai dit cela, moi ce que je constate, c'est que avant cette opération,
les données officielles sur les vaccinés au Congo, c'était à peu près 4,3%. Donc aujourd'hui, on dit qu'on est passé à 15%. Sauf qu'une fois encore, ce que l'on constate, il manque des statistiques pour pouvoir aller vers plus de transparence. De transparence, voilà. Voilà. Parce qu'on connaît quand même la façon de fonctionner de ce système. Hein. Ça fait longtemps qu'il est là. Le nombre de mensonges débités, voilà. Les terroristes arrêtés à l'ambassade des États-Unis, sans suite. Les fonds des générations futures qui se sont volatilisés. Pourris comme ça, sans suite. Voilà. Donc, on est dans une litanie comme ça, dans une longue suite de mensonges débités qui, finalement, dans l'imaginaire populaire, construisent une méfiance envers ce gouvernement. Et j'ai entendu également M. Bramelin lorsqu'il relève le fait qu'on est dans une forme de théâtralisation. Moi, mon analyse sur le système globalement est qu'on est, dans un système de gestion d'un pied simplement. J'ai vraiment une conviction qui me pousse à croire qu'on est sorti de l'invention. On est dans la non-invention. On est dans une gestion des acquis d'une communauté d'intérêts. Donc l'essentiel est de garantir l'équilibre tel qu'il est aujourd'hui, mais pas nécessairement chambouler les équilibres pour qu'un élément nouveau naisse dedans, parce que ça, ça risquera de tout bouleverser. Donc on est vraiment dans l'ordre de gestion des acquis, et ça, de mon angle de vue, il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose de nouveau pour pouvoir réparer les maux que vivent les Congolais. On fixe des mesures comme ça, par exemple, dans les mesures, mais la réalité est que dans la structuration de notre société, ces mesures-là sont difficiles à être appliquées. On le sent. Lorsqu'il y a une traçabilité des cas contacts, un cas comme ça qui me revient à l'esprit, on a isolé un couple qui était, semble-t-il, atteint du Covid, mais ce couple n'ayant personne pour aller faire, par exemple, les courses, donc de temps en temps, eh ben, il fallait que soit madame ou monsieur sorte pour pouvoir aller faire des courses au marché. Donc, il n'y a pas de vie. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on a évité la catastrophe pour, je ne sais pas, la troisième vague, la quatrième vague, mais sans jamais connaître la vraie statistique. On a évité combien? Et si ces mesures n'avaient pas été mises en place, on aurait atteint combien? La catastrophe aurait été de combien? Tout ça, on ne sait pas. Monsieur Mungala vient raisonner sur la base des généralités. Alors moi, ces généralités-là, je peux les formuler. Moi, je suis de l'extérieur du système. Eux, ils sont des systèmes, ils ont toutes les données nécessaires. Donc, ils peuvent venir nous donner les vraies informations, les étayer et les développer. En tous les cas, moi, je reste dubitatif face à ce gouvernement. L'opacité de la gestion. On ne sait pas jusqu'ici ce qui a été fait des fonds qui ont été levés lors de la première crise. Toutes les enveloppes qui ont été envoyées, tous les chèques ont été envoyés, on ne sait pas, on n'a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et Brice. Oui. Courant été, hein. Oui, c'est normal, on est habitué. C'est habitué, on sait. Temps. Là, c'est en direct là que le courant vient de partir. Doudaga vient de frapper. Vous êtes en direct le 17h dimanche. Vous êtes sur le 17h dimanche en direct sur Zianet TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Donc, nous vous signalons en direct plus d'électricité dans Pointe-Noire. Gracias. Je vous donne des chiffres à Gracias. Je vous donne l'idée. Il a besoin de chiffres. Oui. Vas-y. Gracias, écoute-moi bien. Lorsque le Premier ministre lance son opération coup de poing, il nous a dit officiellement que le taux de vaccination sur la population était de 4,30%. Tu me suis? Lorsque Thierry Mungala fait le point, semble-t-il que l'opération a été un succès, il nous dit qu'ils ont atteint 30% de leur objectif. Donc, tu multiplies 30% de 750 000. Oh là là, hey, c'est un scandale au Congo. Et même Destin Gavé, lorsque je vous ai dit c'est tout Pointe-Noire,
Serge Ngwakamabe, Chris Ibuka, Destin Gavé. Oh, yay, mambo à Sony, yay, vraiment. Voilà, yay. Ah, Serge, c'est comme ça, tu veux encourager. Oui, on t'entend. On t'entend. Oui. Oui, on t'entend. Oui, le courant est parti, mais je peux finir. Donc, oui, vas-y. Le courant aussi vient de partir ici aussi. Ça vient de partir aussi. 30% de la cible, ça veut dire que 225 000. Donc maintenant, on utilise leurs propres arguments, on peut faire la déduction. Voilà. On avait 4% avant l'opération coup de poing. On a eu 225 000 vaccinés. On rapporte ça sur la population congolaise en 2018, selon la Banque mondiale, qui est de 5 200 000. Oui. Ça nous fait 4,32%. Voilà. Plus les 4,30% de Colinet Macosso. On n'est même pas 9%. Donc, on est à 8,64%. Oui, c'est moins de 9%. Voilà. On prend leur propre chiffre. Hein. Démonstration. C'est bon. Ah, ben heureusement qu'on a quelqu'un qui a fait gestion. Merci, Serge Ngwakamabe. Ah, vraiment. Tu peux continuer. Gracias. Nous, on a fait notre propre statistique. Oui. Donc, globalement, moi, je reste dubitatif quant à la gestion de crise par ce gouvernement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans la gestion des acquis déjà établis et dans une forme de non-invention. Et on ne sait pas, parce que au départ, on était parti sur 16 000 cas officiellement et 231 décès, je crois. Et nous avons une absence de tests, de dépistage quelque part. Donc, on ne sait pas à quel degré cette maladie-là est en train de voguer dans notre société. On est comme en train de raisonner sur la base de conjectures, autant pour nous autres, mais également pour le gouvernement. Qui de temps en temps viennent nous livrer des informations. J'ose espérer que pour leur part, les populations vont être beaucoup plus responsables pour pouvoir éviter que la maladie ne fasse plus de dégâts dans notre pays. J'en ai fini, merci. Alors, merci. Gracias, Dune. On va aller rapidement à Pointe-Noire trouver Chris Ibuka avant que lui soit totalement dans le noir. Chris Ibuka, ah, c'est pas possible. Yaï Mambo à Sony, on a même perdu le président Gavé. On l'a perdu. Bichard, je disais qu'on allait avoir au moins la chance d'avoir l'électricité, mais voilà que c'est parti. C'est vraiment. Le courant devient un facteur de chance. Moko passe. Moko yo passe. Vas-y. Je ne sais pas si on peut rattraper le président Gavé. Vas-y, oui. Donc, pour être un peu plus bref, parce que tout est déjà dit. Par le Bishop et puis couvert aussi par grâce à Thune. Mais je voulais aussi juste m'accentuer donc encore sur ces problèmes de chiffres. Hein. C'est l'une des faiblesses de ce gouvernement et encore pire de Bruno Marcosso qui ne sait pas donner les chiffres au départ ni en fait à l'arrivée. Ou pendant, on n'a aucune courbe d'évolution, on ne sait pas combien a été dépensé, où ça a été dépensé, combien il reste. Moi j'aimerais bien parce que je pense qu'à chaque jour, ils ont un état de besoin ou un état de dépenses, ils savent combien ils ont dépensé, ils savent combien. Il devrait y rester. Donc, il devrait avoir un cahier ou encore une feuille Excel qui, au moins, pouvait déjà statuer sur le nombre d'argent qui était sorti et ce qui peut rester aujourd'hui. Il pouvait être capable de le dire, de nous donner les chiffres. C'est une histoire aussi de clarté. On doit avoir, il faut qu'il y ait tout soit de façon, je veux dire, de façon claire. On ne doit pas cacher ce genre de choses. Donc, les chiffres sont un facteur qui rattrape aujourd'hui. On a vu très rapidement une démonstration du Bishop qui nous fait comprendre déjà que le pourcentage annoncé de vaccination est erroné par rapport, en fait, est faux ou encore est biaisé par rapport à la réalité. C'est très faux. Parce qu'on ne peut pas mentir sur les chiffres. Les chiffres, vous les donnez avant. Il a dit qu'il avait 4,30% des vaccinés. Et aujourd'hui, avec le nombre, avec l'opération qui a fait vacciner 225 000 personnes, on se retrouve brillamment à 15 ou je ne sais pas 14%. C'est biaisé. Donc, est-ce qu'il pouvait aussi, c'est ça le problème, pouvoir démontrer à la population que nous sommes partis d'ici, on avait dit ceci, et on a vacciné tant, tant représente tant en termes de pourcentage, et nous avons additionné ce pourcentage à ce qui était avant, ça nous a donné tel pourcentage. C'est facile. C'est pas de venir prendre des gens pour les cons. On pense que peut-être que, voilà, comme ça, on met un costard et on sort là, on pense à en faire, comme dit tout à l'heure, mon grand Landry, se faire son homélie que bon, on est très cons pour que nous, on puisse faire ce chiffre. On n'est pas des cons. On a aussi fait l'école et donc nous savons comment calculer. D'accord ?
Donc, s'ils peuvent, c'est parce qu'ils sont, ils sont devant une tribune où personne ne peut les contredire. C'est quand même Bouchoir. C'est une homélie, comme l'a dit mon grand Landry Ngoblem. C'est une homélie. Personne ne peut les contredire, personne ne peut poser des questions. Si on pouvait poser des questions, je pense qu'il y aurait des journalistes ou encore des personnes censées pour vouloir dire, mais ce que vous dites là est erroné, c'est pas normal. Démontrez-nous que vous êtes arrivé à tel pourcentage alors que vous êtes à tel pourcentage et que vous avez identifié tant de personnes. Donc, c'est ridicule là, moi je ne sais pas pourquoi. Même, je veux dire, le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, qui aujourd'hui, je sais qu'il fait un rapport, qu'il reçoit juste et puis qu'il lit, mais même en lisant, tu ne vas pas lire des conneries, parce que ça en va aussi de ta responsabilité. Tu devrais aussi pouvoir analyser ou contre-analyser ce qui est dit, et puis pouvoir discuter avec ceux qui t'ont donné les chiffres, et dire, mais les mecs, regardez ce que vous m'avez donné, c'est pas cohérent. Donc, on devrait avoir ce genre de personnes, quoi, qui font leur job. Qui vont derrière pour essayer d'étudier ou réévaluer ce qu'ils ont fait. Et ne pas se fier à des personnes qui sont plus ou moins assis quelque part en train de donner des chiffres biaisés qui vont leur faire sourire. Donc, c'est tout ce que je pouvais ajouter à ce stade. Merci. Alors, merci. Mais ce que je voulais, avant de donner la parole à Robert Célestin Mamboli, et pourtant, M. Thierry Mongala a fait une bonne partie de ses études en France. Et pourtant, donc, cela voudrait dire tout simplement, parce que ce gouvernement ment comme il respire. Le kouta et Zanabango, le ridicule ne tue plus au Congo-Brazzaville. Les gens ne sont plus gênés. Lorsqu'ils viennent devant la télé et ils mentent, et ils pensent que non, ça va passer comme une lettre à la poste, et se dire que non, la population congolaise, parce qu'ils s'adressent à la population congolaise. Nangina Lobaka Serge Ngwakabino, qu'on a vrai, Zoba. Hein, vous allez des tonneaux vides là-bas au Congo, on va dire ça comme ça. Si vous allez cogner sur moi les blédards, vous êtes idiots, parce que un porte-parole du gouvernement, chaque fois, lorsqu'il se présente à vous, kaka le kouta et le kouta, puisqu'à Yébi, vous êtes à budget, n'a pas gobé le kouta naïe. Parce que kaka même règle pas, 15% de la population, c'est beaucoup. Hein. Ils ne sont pas nombreux des pays africains qui ont atteint 10% n'a tout la vaccination en Afrique. Ils sont pas nombreux. Je sais pas nel basal la kabango ba not one. Il faut faire comprendre aux gens que la vaccination qui a commencé, je ne sais depuis quand, jusqu'à en octobre, on a eu que 4%. Et ben on va salir opération de 45 jours et on va passer de 4% à un bond de 15%. Mais déjà kakawan, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, ba vaccin wapi d'abord pour que vous salabo comme wana. Et la vaccination s'est faite où? Pour que les gens sachent que non, il y a eu une opération d'envergure, on a arrêté tout un marché et que tout le monde s'est vacciné, ou je ne sais quoi, ou bien les gens étaient regroupés à un stade, dans un stade, et puis on a fait les vaccinations, tout le monde a vu. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu cet engouement, sauf dans des entreprises où on a obligé les gens de se vacciner, et quoique là-bas, même, il y a beaucoup de gens qui ne se vaccinent pas, puisque nous avons eu des témoignages des gens qui présentent des fausses attestations. Donc, mentir au peuple congolais, à quoi ça sert? Tout ça pour justifier. Et voilà, cela nous réconforte, tout ça pour justifier l'argent qu'ils ont volé. Voilà, il faut placer les mots. Les 4 milliards et demi, pas l'accessibiso. Cela, quand on peut s'abiso le kouta, c'est pour justifier que Mbongo te vacciné par un tel. Pourquoi pas demander à Mbongo ou anate? Donc, ça veut dire ça, puisque lorsqu'on fait le calcul lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied. Robert Sessa Mangouli, prends la parole, mon cher, parce que franchement, lorsqu'on écoute des choses comme ça, ça décourage. Et puis là, à Pointe-Noire, au Congo, ils n'ont plus l'électricité. Bon, je ne sais plus s'ils ont... Serge, tu as pris ta douche ce matin? Voilà. Vas-y, mon cher. Brice Landry Deco, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, mon cher. Parfois, ça devient comme, moi, cassette moquée, baby. On vient tous les jours sur le plateau ici pour répéter la même chose. Brice, la gestion d'un État, à mon avis, le résultat, c'est la qualité de vie des habitants et des États. Donc, si le Congo est bien géré, le Congo a un changement, il y a qualité, il y a vie, il y a bateau d'un point A à un point B. Les gens qui nous dirigent, ils pensent quoi? Qu'ils vivent une certaine réalité alternative? Ils pensent que nous, on ne voit pas ce qui se passe, nous sommes la société. Donc, quand vous venez nous dire que vous avez bien géré, mais on regarde sur le terrain, rien n'est fait, mais on sait que vous êtes en train de mentir. Moi, je suis maintenant dans une logique où
n'a demandé bateau sur ma bilan. Parce que quand on demande les bilans tous les jours, c'est comme si toujours crédibiliser mon salaire n'a pas mot. Maintenant, ils sont en train de travailler, pas après s'appuyer sur le bilan. Mais c'est des gens qui ne travaillent pas. La solution est que Balongo, là. Brice, tous à la cas sérieux. Quel est le bilan de Coline Makosso à l'enseignement? Le premier ministre, quel est le bilan de Coline Makosso à l'enseignement? Un département qu'il a géré. Quel le plus gros échec de toute l'histoire de la République. Quel est le bilan? Et nous avons vu dans notre pays, on dit à Coline Makosso, voilà, tu as très bien fait à l'enseignement, tu as relevé le niveau de l'enseignement au Congo. Bon, est-ce que tu peux prendre le gros morceau, la primature, qu'on a au multiplié l'expérience dans le ministère? Allô, Brice, vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Ah ouais, parce que c'était noir. Qu'on a multiplié l'expérience dans le ministère? Quel est le bilan de l'école à domicile? Anewana, l'école à domicile, Mbongoana Babinisaki, Bafasikud Basalaki, quel est le résultat? Pour info, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien ça a coûté l'école à domicile. De façon officielle, on ne nous a jamais dit, on a seulement entendu des bruits, 700 millions, voilà. Mais on n'a jamais eu. Marcoso, que l'autorité civile vient nous dire ici que non, c'est un homme des médias, hasard transparent. Quelle est la transparence de la gestion d'ailleurs au ministère de l'enseignement? L'école à domicile. Dis-moi, Ezawa. Qu'est-ce qui a été alloué comme fonds? Combien on a dépensé? Ezawa. On n'a pas ça. Et après, les mêmes personnes viennent dire qu'en 45 jours, après ça va encore 4 milliards et demi. Pas 4 milliards, 4 milliards et demi. On joue avec les autres dans ce pays. Tu imagines que tous les gens vont retraiter ou ils vont foutre à monter. Les gens qui ont travaillé et ont contribué. Quelqu'un peut me dire ici sur le plateau ou bien de ceux qui nous suivent que Nakomo train de vie à Bateza Malam. Et on prend 4 milliards pour jouer avec. Vous savez, on a balingaté. Depuis il y a Covid, on a entendu parler des 100 milliards, on a parlé de 25 milliards, et on vient de prendre 4 milliards et demi. Bossaline Angoudin, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mon cher ami. Serge Mwakamabe vient de nous le dire tout à l'heure, qu'on n'a même pas les lecteurs de Banine Batari, il y a qu'on va cuire. Donc, Bazota la cuire en amiso. Amiso. Mais il ne faut pas se rendre à tout le monde. Il ne faut pas jouer sur le coup là, à mouton mokobou. Mais on comprend quand ça ne marche pas. Thierry Mongala ne peut pas venir nous donner des statistiques ou des bêtises qu'il raconte sur l'autre là. Et puis, qu'on va avaler ça comme ça. Il y a des gens qui sont au Congo qui vivent cette réalité. Serge Mwakamabe là sur le plateau. Il y a Béli Covid. Et là, on va s'aller différemment. Oh, bah, ça l'avant, pour le pointer. Qu'est-ce qu'ils ont fait différemment? Landry Ngouembele un peu à Béli Covid. Il est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait différemment? Merci, Brice Landry. Je te dis, c'est. Le Congo Brazzaville, nous avons un beau pays, un très beau pays. Le Congo-Brazzaville, depuis 2015, bon, on ne va pas parler de leur gabegie financière, totikakak. Oublions qu'ils ont engrangé je ne sais pas combien de milliards, oublions qu'il y a eu la dette qui a été supprimée, oublions tout ça. Depuis 2015, avec la chute et le prix de baril de pétrole, le Congo-Brazzaville a connu une crise. C'est ajouté aussi la crise politique en 2016. Curieusement, ce sont les dirigeants politiques qui se pavanent sur les plateaux de télé pour nous dire que le Congo est en crise. Malheureusement, les mêmes personnes n'ont jamais eu le courage de dire « Ah, moi quand on a bu ce genre de crise, toi qu'on a refoutu à même ma retraité, toi qu'on a les sous-soupés, qu'on a refoutu à ma salaire normalement,
on ne peut plus faire face aux investissements au tonga tout ça tout tonga à l'hôpital ceux qui ba école banzela oyo ba salaire na bango ba diminuer yango rien. Les ministres là qui étaient payés ceux qui 10 millions ils ont toujours 10 millions 15 millions 15 millions les députés si c'est 5 millions toujours 5 millions on y, tous les jours ils parlent, ils nous disent qu'il y a la crise, mais jamais, en aucun moment, bon, mon abango, ils se sont dit eux-mêmes, nous gagnons, là où le SMIG est à 97 000 francs CFA, eux, ils gagnent des millions et des millions par mois, sans oublier ce qu'ils volent. Sans oublier ce qu'ils volent. Mais ils n'ont jamais eu la résolution de dire, nous traversons une crise qui est difficile, bon, nous allons diminuer nos salaires pour donner quand même l'espoir. Nous allons voir, nous, le peuple. Le peuple. L'autorité civile nous a dit la fois dernière que le premier ministre a fait un voyage sur Pointe-Noire pour préparer le voyage du président pour l'inauguration. Brice, tu imagines, il y a deux budgets. Le voyage du premier ministre, d'abord, ne coûte pas 10 francs. Donc, le premier ministre va se faire un voyage sur Pointe-Noire à dépenser Mbongo. Pour que le président Ayaka. Pour que le président Assa, la deuxième voyage, yes. Va dépenser de Mbongo. Et les frais d'inauguration. Et les frais d'émission, c'est leur poche. Oui, Bishop, c'est le protocole. C'est le protocole. Il va te dire, c'est le protocole. C'est le protocole. volume, Bishop. Micro, Bishop. Je voudrais, si tu me permets, revenir sur le thème. Oui. Tu vois, l'autosatisfaction de ce gouvernement. C'est vraiment à gerber. Hein. On dit, en résumé, que l'opération coup de poing nous a permis de freiner éviter la troisième vague. Voilà. Brice, lorsque Colin Makosso lance l'opération coup de poing, je pense que ça a coïncidé avec l'avènement du variant Delta. Et lorsqu'il Omicron, non ? Non. Delta encore. Delta, ok. Omicron, c'est le tout dernier variant. Autant pour moi. Et depuis le lancement, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. On n'a pas non seulement connu Delta, mais il y a eu aussi le variant congolais. Mmh. Et enfin, le variant Omicron. Voilà. Donc, par extraordinaire, par la magie de l'opération coup de poing, nous avons réussi à mettre hors d'état de nuire ces trois variants. Mmh. Delta, congolais, Omicron. Mmh. Mais pourquoi notre gouvernement ne va pas louer ses services au gouvernement français, bah, au gouvernement chinois, au gouvernement américain. Non, chez nous, seulement les Français, ils viennent. tu es un démagogue, toi, Serge Ngouagapapé. Non, mais je crois qu'ils ont leur confiance. Hey. Ils ont 45 jours. Oui. Ils ont évité la troisième vague et les trois variants. Et les trois variants. Même le variant qui se transmet sans... On dit quoi? Sans signe, de façon asymptomatique. Ils ont réussi ça. Ah, tu as dit. Moi, je pense que le Congo peut prévêter son expérience et vendre ça à d'autres États. Ça montre que opération a été une grosse escroquerie. Escroquerie, bien sûr. Au-delà de la comédie, ça a été une grosse escroquerie. Bien sûr. Je vous dis ici, les gens continuent à mourir. On ne sait pas trop de quoi ils meurent. Je me pose souvent la question de savoir à certains compatriotes, est-ce qu'ils vivent le même phénomène que moi? Chaque semaine, je perds un proche, un ami, un parent, un neveu, ainsi de suite. Bien sûr. Chaque semaine. Tout le monde. On ne sait pas dire, bon, il va zoko fana COVID, bon, il va zoko fana quel malade. Mais l'assurance avec laquelle le porte-parole du gouvernement a déclaré la clôture de l'opération coup de poing, je pense que. Mais en tout cas, on va donner la parole à Chris Ibuka. En tout cas, Chris Ibuka, vous êtes vraiment infantilisé, hein, parce que avec tout ce que vous avez suivi pendant toute l'année et jusqu'à la dernière minute, le couvre-feu était maintenu à 20h. On nous signale pendant les grèves, pendant les fêtes, on lève l'opération couvre-feu zaté, hein. Donc, ça dit que le 31, vous pouvez circuler jusqu'au 1er, il n'y aura pas de couvre-feu. C'est ça, hein, si j'ai bien compris, hein, ce qu'il a dit. Oui, parce que, mais oui, il y a une raison pour ça, c'est normal, le gouvernement a raison. A raison. Que, le 24, oui. Oui, le 24 au 25, oui. Le 31 au 1er, les variants seront en train de fêter, ils vont fêter, donc ils seront en congé. Oui, Corona sera en congé, d'accord. Donc du coup, on a le droit, de se promener, sans problème. D'accord. Sans problème. Et puis, le 1er, évidemment, ils vont revenir, en tout cas, à ces heures-là, et puis,
pour venir à 23h, sans être dans les rues, en train de pouvoir sillonner pour contaminer les gens. Pour contaminer les gens. Donc, c'est un peu ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui… Les amateurs. En fait, qui ne… Non, mais ce n'est même pas de l'amateurisme. Ça, ce n'est pas de l'amateurisme. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se… Ils se ridiculisent. Ils se rendent… C'est vraiment… C'est très ridicule. C'est très ridicule. Parce que c'est autant mieux vous maintenez vos mesures pour pouvoir dire aux gens, ben d'accord, on n'a pas encore éliminé la COVID. En fait, toute cette maladie, la COVID, on n'a pas encore atteint peut-être le pourcentage réduit, même par l'OMS, okay, on n'a pas atteint peut-être 10% ou encore 20%. Donc, je préfère que nous soyons encore très restreints, en train d'observer encore toutes ces restrictions. Mais malheureusement, brillamment, comme ça, après 45 jours de… 45 jours de miracle, de grand miracle, parce qu'il y avait le prophète qui est passé, qui a aujourd'hui poussé les gens, convainc les gens à se faire vacciner. Et on a atteint même 225 000 ans qui parlent là. Je doute. Mais c'est ce que Gracias a dit. On ne connaît pas les statistiques. C'est 22 500. On a ajouté un zéro. Moi, je suis très sûr même de ça. On a ajouté un zéro. Nécessairement. Mais je suis très… Non. Écoutez, c'est une question de santé publique. Les gens s'amusent avec cela. 225. On va nous dire après que c'était 22 500 personnes qui sont fait vacciner. C'est des histoires. Parce que 250 000, il faut le faire, hein, vraiment. Je ne sais pas. Oui, Gracias Sidine, je vois. Tu veux ajouter quelque chose, mon cher ami? Je peux rajouter quelque chose parce que j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas… de la volonté de ces acteurs à ne rien faire. C'est que les préalables sont tellement manquants dans notre pays. Oui, s'en fout. C'est sur le vide, finalement. Parce que vous imaginez tout à l'heure, mon aîné Serge relevait un fait où on regarde un QR code avec les yeux. Avec les yeux. Simplement parce que le préalable pour scanner ce QR code n'existe pas. Mais comme ça n'existe pas, il faut faire avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est quoi? On regarde avec les yeux. Voilà. On regarde comme ça, bon oui, c'est toi. Mais il regarde quoi, en fait, Gracias? Rien du tout. Les dessins comme le labyrinthe du QR code. On vient au théâtre, parce que c'est la gestion dans le vide, comme ça. Bah, on a une population également, peut-être en moyenne. Il y a des esprits éclairés, avertis, comme mon aîné Serge Mouakamabe, les Chrissy Bouka. Mais c'est quelque peu une minorité. Et même quand ces esprits-là existent, il n'y a pas les moyens réels d'action. Monsieur Mambouli l'a relevé tout à l'heure. Il dit, on vient ici faire les mêmes constats. Et tout simplement parce que c'est la même réalité qui existe dans notre pays depuis 1997. Cela a été relevé par Monsieur Gavet. On est face à un mur. Il n'y a pas de mouvement. Et on est là dans le vide parce que on l'a relevé ici également, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Et comme il n'y a pas de turnover, on ne sait pas réellement ce qui se passe parce que la gestion est dans une dimension d'omerta. Voilà. Eux se contentent de cet immobilisme. Et nous, à l'extérieur, on braille. Et on a créé comme ça un mécanisme où dans le système, il y a des opposants dans le système. Mais ils ne peuvent pas s'attaquer au président qui est là depuis longtemps. Alors, ils ont trouvé le fusible. On a fabriqué comme ça un système au Congo où on s'attaque au Premier ministre. Voilà. Mais la réalité est que, moi, je pense que le Premier ministre au Congo n'a pas une réelle marge de manœuvre. Pas du tout, rien du tout. La centralité du pouvoir congolais, tout vient du haut et de cet accessoire qui entoure le président Sassou Nguesso. Donc, nous, on sort de cette escarcelle qui nous bloque à ne pas critiquer M. Sassou, parce qu'on va le critiquer, on sait que c'est de là où ça vient. Mais dans le système, on va chercher M. Anatol Colinimakoso, le titiller. Bon, voilà. Donc on est dans un système comme ça d'infantilisation et de théâtralisation du Congo. Là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est vrai que le Premier ministre sert de fusible, mais sur des grands sujets. Or là, en l'occurrence, sur l'opération coup de poing, le deal part de la primature. Ils montrent leur deal, ils ont peut-être l'aval du président pour que le budget soit validé. Tu vois, sur ce, en l'espèce, là j'ai envie de dire pour une fois, et pardon le président qui a peut-être encore été dopé. Ça, c'est un deal qui vient du bas pour le haut. Maintenant, pour les grands dossiers, je suis d'accord avec toi. Désormais, pour avoir instauré une primature, ben voilà, le président s'est donné un bon fusil.
D'accord, merci. Bon, on va passer au dernier sujet de notre mission. Et ces fonctionnaires qui refusent de faire valoir leur droit à la retraite. Bon, les Cambodgiens payent photo sur le lango depuis Kala. On a déjà fait, je crois, un 17h dimanche là-dessus. Mais si nous revenons là-dessus, c'est parce que on a suivi au ministère des Finances. C'est là où il y a beaucoup de bordel, hein, au ministère des Finances. C'est... Et en plus, lorsque je pense, c'est lui, M. Ondeli, qui veut mettre de l'ordre partout. Il a fait des contrôles tous les ans, pratiquement tous les deux ans. Parce que la CAB a contrôlé un fonctionnaire pour détecter des faussaires, mais jamais tu n'as pas la sanction, tu vas donc libérer un tel, ça débrouille. Mais au ministère des Finances, là-bas, il y a beaucoup de magouilles, et c'est eux-mêmes, les fonctionnaires, les employés du ministère des Finances, qui se sont révoltés, salipés, soulevement, lobby, sinon on en a marre. Ceux qui sont appelés doivent faire valoir leur droit à la retraite. Ils ne veulent pas partir, surtout les directeurs centraux, généraux qui sont là. Il faudrait qu'ils partent pour laisser la place aux jeunes. Donc, il ne faut plus venir pleurer ici pour nous dire que les jeunes sont au chômage, ils ne trouvent pas du travail. Mais si on ne leur fait pas la place, comment voulez-vous que les gens puissent avoir du travail? Ils sont là, ils ne veulent pas partir. Deux raisons. Soit... Au Congo, ils se disent que ce sont les plus capés. Il n'y a que eux qui savent faire ce travail. Ce qui va longo libango kuna, le Congo kokuya. On n'aura plus un État. Ou soit, ils reconnaissent bizaleli nabango, c'est-à-dire que leur pratique de détournement des fonds, des magouilles, et ils ont peur. Lorsqu'ils vont partir, celui qui va remplacer va peut-être découvrir leur magouille. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ici, en France, les gens se battent jour et nuit pour aller à la retraite. À Wabokoyo, quand même, on veut prolonger la date de la retraite de 60 à 65 ans. Même lorsqu'on dit on passe à 62, 63, il y a des mouvements sociaux. Mais ce n'est qu'au Congo. Dès qu'on parle de la retraite, les gens refusent d'aller à la retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait qu'on nous explique. Depuis 1997, le président de la République prend le pouvoir. Le trésorier général s'appelle Ngondo. Jusqu'à ce jour, M. Ngondo est toujours en fonction. Et il est âgé, hein, ce monsieur-là. Il n'a pas 50 ans, 60 ans. Hein. Même pas. Non, il avait 13 ans. Il avait 13 ans quand il était passé. D'accord. Ok, non, mais je dis bien. Parce que, et surtout lui, le trésorier général, jusqu'à ce jour, ça va faire 24 ans. Hein, 24 ans que le président de l'administration est revenu au pouvoir, là, depuis 1997. Sur la salle, calcul. 24. Donc, l'année prochaine, tu comme 25 ans. Mais, wapi moto wana, oyo, akuki ko sala mo sala, azala compétent, et que moto mo soussou, akuki ko remplacer yete. Alors, to zongi si malaba, nakuna na braza, na pointe noire, Bishop et Serge Ngwakamabe. Oui, président Deco, je pense que tu as épinglé les bonnes raisons, mais moi, je voudrais apporter une nuance dans. Les catégories de départ à la retraite. D'accord. Il y a les gens qui se sont retrouvés avec des privilèges inattendus. On a cité le cas du TPG. On peut citer le cas du DGPN. OK? Oui. Et ces privilèges-là font que accepter le départ à la retraite et comme le coup, les perdre, comme s'ils n'avaient pas suffisamment eu le temps de préparer le départ à la retraite. Parce que Alia Kambongo, au jour le jour, OK? Évidemment, ces gens-là ont des arguments. Toyo Kaka déjà. Hein? On a été des guerriers, tout boudé là pour voir. Oyo. C'est un peu difficile d'aller le toucher. C'est difficile. Hein? Donc, je ne vois pas un ministre de Finances, par exemple, qui va mettre le DGPN à la retraite. Ngondo, tu es d'accord avec moi? Pendant qu'il est de retraite, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Apparemment, à Wana, je me rappelle encore du ministre Issa Ibeka qui était tombé très malade. Mais on ne voulait pas le laisser sortir du gouvernement jusqu'à ce que l'État n'ait se dégradé. Et puis à l'époque, remplaçant Kaye Sukina en élite. Je sais plus tout. Donc, la deuxième catégorie, c'est Babisoboy, Baimok, le Babeu. Brice, je connais des aînés, des anciens qui sont admis à la retraite depuis 2 ans. Bakaka, mise à jour à document. Ce qui fait que 2 ans durant, pas au percevoir conscientif. Et même quand la situation administrative
est réglée, si tu as la malchance de te retrouver na crève, tu vas aller maintenant gonfler les rangs des maltraités. Donc, moi je trouve légitime à Brice. C'est-à-dire que j'étais un fonctionnaire classique, n'a gagné peut-être 400 000 par mois, c'est juste de quoi couvrir mes charges. Je n'ai pas les bras longs, naïba pongo les tâtés, je ne me fais pas à la fois fonctionnaire et commerçant. Donc, tout ce qui me reste, c'est que de vivre dignement avec ma maudite pension. Mais on voit bien que sur le terrain, j'ai des collègues ou des aînés qui sont allés depuis 2 ans avant moi, puisque tu salis ensemble, et qui de temps en temps t'appellent « Ah, Brice, vraiment, le gars, moi, ça, galos. Mais il y a quelqu'un qui ne t'aide pas, foutu, c'est le 16. Dossier n'a rien à prêter. » Parce que tant que ton dossier n'est pas complètement dépoussiéré, mais tu ne perçois pas la pension. Tu n'es pas informatisé totalement. Et même là, comme le Congolais a le génie de surfer sur la misère des autres, mais les gens qui traitent les dossiers de la retraite, donc ils ont toutes les raisons du monde dans cette mafia à faire traîner les choses. Donc voilà ce que je tenais à préciser comme nuance. Il y a ceux qui refusent d'aller à la retraite parce qu'ils sont accrochés à leur privilège, généralement et malheureusement mal acquis, et puis d'autres qui redoutent de se retrouver dans la situation de leurs doyens admis à la retraite et qui ont migré du statut de retraité à celui de maltraité. Voilà, chef de. Robert Célestin Momboli. Brice Landry Deco, on revient encore à la question de gestion. Tous ces retraités, on sait déjà, on a des fichiers, on sait déjà que à Neuzo Yakoyo, telle moto, aucun de retraite. Et c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à préparer le dossier de gens. Dans mon moto Kolongola, au Salanaye, normalement la retraite Brice Landry Deco, c'est le beau moment de la vie. Que tu dis que j'ai déjà travaillé. Aussitôt que tu ne travailles plus, tu peux aller au Kéba Voyage Nayo, tu as déjà contribué, bon, tu peux amener tes petits-enfants à l'école, au Kébozong, ça parce que maman ou papa n'a pas oiseau, ça là. C'est ce moment-là de la vie où normalement tu devais enjoy, comme on dit ici, vie Nayo, parce que tu as travaillé. Bon, n'a paiement. Mais et pas Napisson et commis calvaire. Comment est-ce que Moto a silencié mon salaire les lots? Oyo, durant tout son travail, Oyebi, que durant l'année 3 ans, salaire, Oyebi, qu'en telle année, c'est pas de la magie, c'est mathématique, bah, calendrier, Zali, non? Donc, surtout, notre gouvernement n'a travaillé, bah, Yebi, qu'en telle année, n'a qu'aucun des retraites, j'aurais tant d'années, n'a qu'aucun âge, Boye, n'a qu'aucun des retraites. Mais comment est-ce que Moto, Ana, Oyo, Makamoto, depuis le début, Boyebi, qu'on a qu'aucun des retraites, n'a telle année, à quoi, n'a moment, Ana, dossier n'a les apprêtés. On a dit que c'est quel genre de gestion? Et ça, gestion, il y a des lignes. Et comme a dit Serge tout à l'heure, puisqu'il y a déjà une pratique pareille, où il y a Moto a été retraite l'année passée ou 2 ans avant, Azawana passé. Parce que tout le monde n'est pas voleur ou tout le monde n'a pas les privilèges qu'ils ont. Bangotan, ton parent là qui est parti à la. Quelqu'un à Limoges qui est parti avec les voitures là, eux ils ont les privilèges, hein, ils peuvent vivre pendant jusqu'à la fin de leur vie s'ils ont épargné, parce qu'ils ont eu le temps de mettre la main dans les caisses de l'État. Mais le Congolais moyen, ou à Kenek Moussala, n'a pas raison, n'a pas quoi. A épargné, a contribué. Mais à la fin, tant qu'on a coqué des retraites, quand même, Maître Pierre avait une fois évoqué ça ici. Non, attendez, moi je voulais quand même préciser ceci. Lorsqu'on est admis à la retraite, je pense que parce que lorsque tu es admis à la retraite, que tu aies préparé ta retraite ou pas, tu dois partir. Et c'est à la maison, tu pars pleurer ou je sais comment. Et tu commences le chemin de la croix pour régulariser ta situation administrative. Le problème au Congo-Brazzaville, ceux qui ne veulent pas partir bravent la décision. Ils reçoivent les notes comme quoi il faut bakende, mais bakende kete. Et puis, mais ils viennent encore. Ceux qui sont partis hier, ceux qui ont moyen de corrompre les gens,
qui traite ces dossiers. Non, c'est pas ça. Non, le problème n'est pas là, corrompre les gens. Le problème, ce sont les passes droits, c'est ce que je te dis. Ils sont admis à la retraite, bakendekete, bayakananko, et puis motopé, azalite, ala kolobanabango, sinon yo longwa okende. Maintenant, ce qui concerne les salaires, je ne sais pas si ces personnes-là continuent à percevoir leur salaire ou bien, comme ils vivent des rétrocommissions, de magouilles, donc ils continuent, puisque ceux qui occupent ces postes-là, ils continuent à percevoir ces avantages et ils ne veulent pas céder ces avantages. Quel est ce pays? Oyo, parce qu'il y a des gens qui sont admis à la retraite, la note de service est sortie, mais au Komona, il n'y a pas exécution. Et ils viennent même... Oui, vas-y. Oui, ça aussi, c'est un autre cas spécifique. Oui. Na Congo, il y a un adage malhonnête qui dit « Cop et l'équipe salaire ». Voilà. D'accord ? Cop et l'équipe salaire, c'est-à-dire que tu occupes un poste de responsabilité qui te permet d'avoir peut-être 10 fois plus que ton salaire. Voilà. Donc, à la limite, ton salaire ne signifie rien. Éphémère. Ces gens-là, même ceux qui retraitent, notent et du harcèlement, généralement, quand la note est déjà... validé, ton salaire est coupé. Est coupé, okay? Voilà. Mais ce monsieur dont le corps rapporte 10 fois plus que le salaire, il n'en a rien à foutre. Rien à faire avec. Voilà. Donc, Azofa Nawana, na moi, Loma, moyennant, moi, soudoyement, il y a des gens qui peuvent rigoureusement le sanctionner. Voilà, mais. C'est une petite armée de délinquants, évidemment, tu as le droit de dénoncer, qui s'accroche, c'est toujours ça, non? Des privilèges mal acquis. Mal acquis. Voilà. Et nous, au Congo, on vit avec cet adage, comme les qui salaire. Comme les qui salaire. Donc, les gens qui sont censés contrôler tout ça, parce que ça, la salle, on n'a pas monté. Comment il y en a pas de baquer retraite? Donc, notre épimique, non? Au coup, il retraité à partir, il y a les lots, ils ont ça pendant près de 2 ans, 3 ans. Et personne ne vient te dire que non, le mot là. C'est pas la cour du roi Péto. Mais le problème au Congo aujourd'hui, pourquoi est-ce que les retraités, puisque je vois même dans les commentaires certaines personnes qui disent que non, bon oui, et les gens ne veulent pas aller à la retraite. Moi aussi, j'ai des parents, lorsqu'ils étaient admis à la retraite, et ça pleurait dans tous les sens, et ça ne voulait pas partir à la retraite. Je disais bien, je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas partir à la retraite. C'est bien, après, j'ai compris toutes ces choses. Mais le problème chez nous, on prépare mal sa retraite. Et donc, l'histoire de cette retraite, moi, la Yibisina Binoboye, vous qui clamez les mérites de vos ministres là en Delhi. Non, Ngobo, ceux qui parlent Ngobo là, vous les trouvez les super ministres, mais on va les juger. Hein. On paye les musiciens à la fin du bal. Donc pour le moment, je me réserve encore le droit de les critiquer, mais les jours ne font que passer. L'Ondeli là qu'on a parlé là, moi j'attends toujours les réformes structurelles dans son département. N'a causé la kango toujours. Mais là, comment on a kata et là, comme on côté. Parce qu'aujourd'hui, le problème des retraités, mais c'est un grand problème. Les Congolais ne peuvent même pas préparer leur retraite. C'est à 2 ans, 3 ans de leur retraite que les gens se réveillent pour chercher à comme que Lucas, ce qu'on a la moi, commerce, ce qu'on a la dengenini, et puis à quoi espérer, ce qu'on a la retraite, mbongo, bape, sakawana, ya retraite, wana, ni wana, ya ko sala, pour que ce qu'on a consommé à moi, taxi, naye, ou bien qu'on fonde la moi, magasin, ou bien moi, congélateur, à te kaka, ski, na maya pio. C'est comme ça au Congo, les choses se passent. Et pourquoi? C'est parce qu'on a des bas salaires. On a des bas salaires, des petits salaires. Et avec ces petits salaires-là, comment veux-tu que les gens puissent préparer leur retraite? Et puis ma cotisation, puisque je ne sais même pas, selon le régime dans lequel ils sont souscrits pour la retraite, ce qui fait que ces personnes-là, si c'était par repartition, et puis ils savent que non, quelle part au banc pour gagner la retraite. Et d'ailleurs, ceux qui sont retraités, et ils perçoivent absolument rien. Si on avait quand même des salaires décents, ces personnes-là pouvaient avoir une épargne. Surtout, avoir une épargne. Combien de Congolais ont des épargnes au Congo? Parce que les gens qui ont des épargnes au Congo, ils ont des épargnes au Congo. On va préparer parce qu'il y a des lobbies, des lobbies, des cocottes, à côté de retraite, moins bon, on est les alliés, à Zuango, à cause de la même, on va retraiter, on va faire sa carte, ou bien bon, on va faire sa retraite, on va commencer, ils peuvent vivre décemment. Il n'y en a pas, il y en a peu. Sinon, ceux qui en ont, ceux qui ont des privilèges, ceux qui ont des gros salaires, et ceux qui vivent des copes, comme il dit Serge Nguakamabe, ce qu'on appelle par la corruption, ou les rétrocommissions, ou ce sont des voleurs, ceux qui se. Et sert dans les caisses de l'État. Et voilà. Ce sont ces choses-là. Moi, j'ai toujours dit, le gouvernement de la République, ce gouvernement-là, a pour tâche comment faire. Écoutez, hein,
gouvernement, comment faire pour payer les salaires? Première tâche. Comment faire pour éviter la grogne sociale? Troisièmement, faire semblant de lutter contre le Covid. C'est tout. Mission à gouvernement, c'est comme ça qu'on gère l'État au Congo-Brazzaville. Parce que toutes les questions secondaires, n'ayoka kananga arrêté, n'ayoka tamé implanté, sur l'hôpital, sur l'école, sur quoi que ce soit, sur les infra, n'ayoka kangote, atamokete. Ils sont focalisés, et j'ai oublié, aujourd'hui, ils sont résolument tournés sur le prêt du FMI. Voilà. Ils ont le FMI. Comment payer les salaires? Comment éviter la grande sociale et le Covid? Quatre points. Le gouvernement, Asana Akab Nokowan. Eh ben, réforme, M. Soanet, vous êtes surpris. Vous parlez de la retraite. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la retraite? Les gens là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vas-y. Je ne suis pas. D'accord. Je ne suis pas complètement d'accord. Bon, ça dépend de quel angle tu prends le niveau de salaire. Moi, je pense qu'au Congo, les fonctionnaires sont, en termes numériques, hein, plutôt bien payés. Mais c'est le coût de la vie. Parce que j'ai vu un peu les salaires au Burkina Faso, c'est dérisoire. Mais le coût de la vie là-bas est tellement bas qu'avec 100 000, tu vis correctement. Donc, le fait que le pays soit resté longtemps, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, tributeur de son pétrole, et que c'est peut-être 62 ans après qu'on envisage diversifier l'économie, ça fait que nous sommes producteurs de rien et importateurs de tout. Et quand on est importateur, on est assujetti aux caprices des biens et autres aliments importés. Sinon, avec les salaires du Congo, si tu compares numériquement avec les salaires du Bénin, du Burkina Faso, si tu ne fais pas référence au coût de la vie, tu dis, tiens, au Congo, on va gagner les minimums. Donc, c'est d'abord ça. Pour revenir sur les retraites, j'ai encore souvenance de l'une des très rares interventions objectives de Tchati Mabiala en tant que député, qui questionnant le ministre du Travail et de l'Emploi à l'époque. Il avait fait une proposition, oui. On parlait des réformes des retraites, la difficulté qu'il y a depuis 24 ans à fluidifier les pensions des retraites. Tout entre but, le ministre Aïssa lui répondait, nous sommes en train de travailler. Et au député Tchati Mabiala, il dit, ça fait 24 ans que vous y travaillez. Donc, je suis d'accord avec toi quand tu cites les trois priorités de nos gouvernants depuis quelques années, mais c'est de sauver l'essentiel. Donc, le Covid et le cas, ce qui moi peut-être crise alimentaire et on va essayer de lutter contre ça. Mais les questions sont claires. Parce que la question de la retraite, du départ à la retraite, quelqu'un l'a dit, si les choses étaient informatisées, le départ à la retraite devait être automatique, n'a qu'à ta machine. Et du mission Awa et que Tchérokuna, pension Ayo, tu fais la migration de ton salaire vers la pension. Oui. On n'avait même pas besoin, tu vas peut-être apposer ta signature quelque part pour confirmer que ta pension est bel et bien égale à tant de francs CFA, c'est tout. Donc, comme ces choses-là sont restées au stade archaïque, hein, je te dis que je vois mes doyens, comme on appelle. Au bas, qu'elle ne m'a pas la retraite, toujours en train de s'emballer, plein de. Parce qu'il y a un autre de service ou engagé en la fonction publique, mais ce qui est pour moi, on a guerre à 500, au SANI. Donc, tu as tout ça là, et on prend pour un papier, on peut te rappeler 6 mois après, il y a déjà la retraite. Hein. 6 mois après, ils ont acquitté les locaux. Après, tu habites à Pointe-Noire, il faut aller à la direction, ce qui est de la fonction publique à Brazza, il faut payer l'avion, il faut ou bien on fout un bus, tu fais des va-et-vient, mais tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Donc, les seules retraites à peu près qui s'enclenchent facilement, c'est dans le secteur privé. Le vrai secteur privé, mettre Total, Eni, Celtel, Intel, MTN, tu vois. Les grandes enseignes privées ou les branches des multinationales, il n'y a pas de problème de. Il ne se pose pas de problème de retraite. Ça, il faut le souligner. Mais les agents de l'État, je venais de lire le commentaire de Maître Pierre en ligne là, qui disait qu'aujourd'hui, son père regrettait d'avoir accepté de passer à la retraite. Il aurait préféré mourir au service. Mais c'est quoi le colorage de ça, c'est quoi? C'est la pénibilité à percevoir sa propre pension, ce pourquoi tu as... Il a travaillé tout le temps, toute sa vie. Voilà. Donc voilà un peu ce que je tenais à ajouter au départ. D'accord, ok. Donc moi, c'est tout ce que j'ai dit aujourd'hui, effectivement. Et le gouvernement de la République devrait, je pense, s'atteler
au moins, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, je ne sais pas comment gère-t-on un État, mais le peu que je sais, moi, le peu que je sais, la gestion de l'État ne se résume pas qu'au salaire, à éviter la grande sociale, à chercher comment avoir l'aide du FMI ou bien le COVID. La gestion de l'État, c'est ça, c'est tout ça. Quelle politique, quelle vision pour l'école dans 10, 15 ans? Et quelle vision pour l'hôpital, les conditions et de santé et les conditions sanitaires dans notre pays? Et comment les gens devaient vivre dignement au Congo-Brazzaville? Vivre dignement au Congo-Brazzaville. Biso to mona kanabiso pe sonité. Lokola to vandiao. Pays producteur de pétrole, yomoko lobby. Mais chaque fois, to kena kakosenga kabambongo, alors que to produit que pétrole. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays, il faudrait que les choses soient dites. Parce que dans notre pays, à chaque fois que to lobaka makambote, ceux qui sont là-haut, ils pensent que non, ils continuent à travailler, ils travaillent bien. Non, ils ne travaillent pas bien. Et bien, ça, la kananko. Parce que nombreux sont au sommet de l'État là-bas. Chacun d'eux, ils ont des puits, il y a pétrole, ou il y a exclusivement pour Nabango le clan. C'est pour cela qu'ils ne se rendent pas compte que le peuple souffre. Il y a un clan au Congo qui bénéficie des puits, il y a pétrole, exclusivité, et il y a Bango. Et même, je crois que Puiwana, ils n'allaient même pas dans le budget à l'État. Ces personnes-là continuent à vivre de façon décente. Parce qu'on appelle. Parce que ceux qui ne peuvent pas, ils allaient se rendre compte que le peuple souffre. Ils allaient faire des réformes structurelles et des vraies réformes. Surtout au ministère de l'Économie et des Finances. Au lieu de partir enquiquiner le peuple, oh, bah, faux salaire, les faux fonctionnaires, il faut faire la guerre. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est d'abord au ministère des Finances, à Sanani, à Bongisa Bisso, bah, service naïe, et à coordonner, bah, service naïe, même na douane, na ba impôt, ndengenini, bah, prélever que bah, taxe. Mais je vais même prendre seulement le cas à Serge Ngouakamabe, les mamans qui vendent au marché. Bah, mamangana, tous les jours sont harcelés là-bas. Pour que, bah, pèse à kabambon, mon angwa kenekwa, les lotos yébité. Bah, taximan, bon, bah, ça, la kamakasi, pour faire le transport. Bah, c'est un kabambon, bah, taxe ébélé, mon angwa kenekwa, bah, yébité. Tu vas dans les commissariats, les policiers, à quoi y'a que pas naïo, à quoi y'a que taxe mbongo. Tu vois, les gens paient les impôts. Même vous qui êtes chef d'entreprise. On crée moi entreprise naïo, dès que, bah, y'a qu'à créer entreprise, on mène, boum, bangou, bangou, bah, bimouane, bah, comment y'a qu'on pèse, bah, taxe, y'a pam, bah, pam. Ce sont des gens, et tu vois même dans les quartiers, au moins, on a moins d'accord, au moins, on a moins d'accord, dès que mon chobano, on a d'accord, il y a couronne et électricité. On va passer à bateau courant. Le lendemain, ils sont là. Ils commencent à te demander déjà, oh, il faut prendre l'abonnement, oh, il faut faire ceci. Oh, mais d'abord, est-ce que vous livrez l'eau? Est-ce que vous livrez déjà l'électricité? Et c'est toujours comme ça. En pis, c'est comme si, et cet argent n'est pas centralisé. Bambon, on va que nous foutons à la SNE, parce qu'on va foutre à ceux qui même n'ont pas y a maille. Personne ne contrôle cet argent-là. Personne. Ça, c'est moi qui vous le dis. Personne. Et ça, bango, moi, on va contrôler que le ministère de Finances ne sait même pas. Bon, on va kinegwap. Bambongo va prélever qu'il y a un impôt wana. Et qu'il n'est même pas, tu vois, bana central, kuna, ba yebi, et, na quartier, na yo, Serge, Ngouakamabe, et chez toi, là-bas, votre marché, vous avez encaissé tant d'argent, bien, centre et impôt, na bino, et encaissé tant, ba yebi, angote. Na ba mairie, dans les mairies. Parlons-en, dans les mairies. Ce que vous encaissez là-bas dans les mairies, bah, n'est pas la carte, ça, comment on appelle ça, acte de naissance. Il faut payer au fouta, au pire, à ceux qui sont francs, 200, ou à l'écamata, moto à ça, la cabla, ou 2000, 3000. Et tous les jours, c'est comme ça. Alors, vous voulez que ce pays-là puisse évoluer comment? Et évoluer n'engeni. Et que évoluer n'engeni. Bon, on gagne, quand on n'est pas à l'État. Et quand on a été, ceux qui continuent à l'État, bon, yibi. Bon, binomoko, bon, on a pas privilège. Bon, yiba, mbongo, bon, t'es qu'à pétrole. Je ne sais même plus le terminal, c'était quoi un terminal exclusivement du clan. Ça, c'est vrai. Exclusivement du clan. Bambongo wana, bango bazwaka kaya bango, bakabla entre bango et bateau basala kakuna, ce sont les enfants du clan ou bien bango moko les gens du clan. Toi et moi, Serge Ngouakamabe et Robert, c'est tellement boulot, on ne peut pas travailler là-bas. Même Chris Ibuka qui se dit pétrolier, Chris, tu ne peux pas aller travailler là-bas. Tu ne peux pas, quelles que soient tes compétences. Mbongo wana, o basala kakuna, et y a même le budget à l'état. Inexiste. Là-bas, il faut être initié pour rentrer là-bas, il faut être initié. Donc, tu connais, tu sais alors ce que je dis. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Oui, Serge. Mais tu sais qu'on ne démolit pas
pas un système avec du simple bruit. C'est, le système est tellement bien enraciné. Ah oui, trop même. Que les composants du système ont bien pris conscience qu'ils devaient plus se faire la guerre entre eux. Moi, je voudrais revenir sur les retraites. Tu sais, on pourrait quand même faire preuve d'humilité. Hein? Si on considère le pouvoir actuel depuis seulement la fin de la guerre de 97, ça fait quand même 24 ans qu'on n'arrive pas à régler la moitié du problème des retraites. On n'arrive pas à conduire une véritable réforme des retraites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de technocrate en la matière. Et vous allez au Sénégal, vous copiez, vous prenez même quelques experts comme là-bas, ils viennent, ils vous aident. Et puis on va attendre les résultats dans 10-15 ans. Si on avait fait ça depuis 10-15 ans, aujourd'hui, on n'aurait pas de problème. On a déjà résolu le problème. Nos lendo, okay. On va défiler les gens. Et ce qui m'étonne, sans jeter des fleurs à qui que ce soit, quand le ministre Bininga, celui qui a dit que Sassou était son père, était à la tête de la fonction publique, je pense qu'il avait initié des bonnes réformes, mais je n'avais pas compris que quelques temps après, a déplacé à Longoli la fonction publique, a commis à la justice. Alors, est-ce que c'est fait sciemment? Je n'en sais rien. Parce que le toilettage que lui il avait amorcé dans le fichier à fonction publique, ça aurait pu dégager quand même des économies d'abuser à l'État et peut-être réorienter vers les pensions de l'État. J'en sais rien. Donc, quelqu'un comme ça qui vient avec une certaine dynamique, je crois que c'était son entrant gouvernement, il voulait faire ses preuves. Paf, Bakati Bakchon a eu la casquette. Batini la ministère Moussous. Alors, deux fois, je me dis, est-ce que c'est fait exprès? Je n'en sais rien. Puis, quelque part, sans fausse modestie, je me dis Dieu merci que je ne vais jamais me torturer la tête à attendre une quelqu'un de pension. Oui, mon ami, mon ami, oui, mon ami, mon ami. Parce que il n'y a peut-être pas de statistiques, mais les retraités finissent souvent à la tension artérielle ou bien à AVC. Bien sûr. Hein? Mais tu crois que la pression vient d'où? Et à Nampiaka, précieux Jacques Nampiaka, toujours doyen n'ont pas eu le réflexe, il y a autant à moi à Bicoque, il y a autant à moi à Boutique, ou il y a autant à moi à Digablo, à Degamassin. Il y en a qui sont entrés dans la fonction publique avec fierté, parce qu'à une certaine époque, être fonctionnaire, c'était une certaine fierté, servir ton pays, sans monnayer tes services. Donc, ce qui va diriger va coquiter. Je pense que va coquiter parce que quand même, 24 ans après, on ne peut pas dire qu'on travaille, on travaille. Allez-y regarder chez les voisins là où ça marche quand même. Et puis voilà, Brice, regarde un pays continent comme la RDC. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, Balingagaïté, tu entends les échos de l'IGF. Ah oui. Tu vois quel type de police. Il y a finance, Azo Beneke, garçon, Gokumbo Kimi. Mais ça ne veut pas dire que la magouille a été complètement annihilée en RDC. Non. Mais il y a quand même un département qui marche. Qui marche. Osa ministre, Osa Bakamere Valeka, Bamatata Ponyo Valeka. Je pense même que Kabila Valeka. Mais c'est ce que nous demandons aussi au Congo. Au minimum, ouvrez quand même les informations judiciaires ou financières. Bah, ce sera quand même Bamona. Magouille n'y est salement. Voilà. Serge. Copier chez les autres ce qui marche. Serge. Copier le système de retraite au Sénégal. Copier l'inspection générale des finances en RDC. Implémentant ça chez nous. Plutôt que d'aller copier des choses difficiles contre le corona, le Covid. Serge Ngouakamabe, je vais t'apporter, préciser ce que tu disais sur le ministre Bininga qui était ministre de la fonction publique. Il avait fait le travail, mon cher ami. Il avait fini. Et on avait détecté. Et à la fonction publique, il y avait 60 000 fonctionnaires. Et à la SOD, il y avait 80 000 personnes qui pointaient. Donc, le différentiel était de 20 000. Non, le ministre Bininga a fait le travail. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'a pas fait. Il a fait le travail. Maintenant, c'est l'application, puisque Bango Moko va remarquer. À la SOD, ils sont 80 000, alors que le fonctionnaire, l'herbe à Sali Baza, 60 000. Mais c'est simple. 80 moins 60 égale à 20 à Longoli Bango. Ils n'ont jamais fait, mon cher ami. Ça dit que le discours que tu introduis, là au Congo, on sort l'argent pour faire les choses. Contrôle, contrôle, chaque année. Bakendakin, ils font toujours les contrôles des fonctionnaires, là. Ça se fait chaque année. Et, Babimi, ça toujours en Bango. Et ils ont les résultats. Ce n'est pas un résultat, va cotiser à Katia Banigno. Parce que qu'est-ce qui se passe, mon cher ami? Mais le problème, c'est que les emplois fictifs,
en grande partie, c'est eux-mêmes qui sont au sommet, moi, tu vas favoriser, Kango. Bah, moi, tu peux créer, Kango. Bah, je vois qu'à moi, moyen, bah, comment faut-il faire pour soutirer l'argent? Ils n'aiment pas ce pays, ces gens-là. Ils n'aiment pas le pays. Bah, ton ming peut avoir, comme toi, je vais te donner un élément, moi, comme ça, tu vas comprendre aussi que, il y a ceux qui sont de la diaspora. Mais il y a des gens qui sont de la diaspora, qui travaillent ici, qui gagnent leur vie, peut-être même bien, et en même temps, touchent des salaires au Congo. Qu'ils ont des doubles salaires. Hein? Bon, mais c'est ce que je dis. Et qu'est-ce, puisque Bisso Bateau Toye bien. Maintenant, pour donner des propositions, puisqu'on nous dit, nous, on critique, on ne donne pas des propositions. Et pourtant, ça, tout le monde le sait. Les retraités, ils sont combien? 36 000, 35, 36 000, hein? C'est ça à peu près, hein? Le chiffre. Est-ce que le gouvernement de la République, à ce jour, le président de la République ne peut pas décider la gratuité des soins pour tous les retraités? Ça coûte quoi? Parce que... La gratuité des soins où? Dans quel centre hospitalier? Il y a quoi là-bas? Ah, mais c'est ce que... Déjà, c'est pas grave. Serge Wakamabe. C'est-à-dire que Baloba déjà. Toto Kenenani na Bazouana. La gratuité des soins, ils sont que 36 000, 35 000, Serge Wakamabe. Quelqu'un vient de me dire ici, c'est toi ou Robert Serge Wakamabe, la majorité de ces personnes-là meurent par une tension, c'est-à-dire que AVC provoqué par une tension artérienne. Et où Takawapi? C'est parce que Bampiaka, donc c'est toi qui l'as dit, parce que Bampiaka et l'ékeming va souci, au moins la tension peut mati, va koufika ya pamba. Mais basa la nani, gratuité des soins pour ces personnes, puisqu'ils sont incapables de payer ces personnes, ils peuvent déjà mettre la gratuité pour les soins de ces personnes du troisième âge. Moi, je les considère comme ça. Quoique même, comment on appelle ça, tous les retraités ne sont pas des personnes de troisième âge, mais on peut considérer que tous les retraités, ils sont à peine 35 000. Bah, ça est bélité. La gratuité des soins. Et après, bon, on bunga bataille, bah, alimenter, bah, hôpitaux, wana, pour que, bah, soigner. Tango mokonza, le baka césarien, n'est-ce pas qui gratuit? Alors, bah, on a quel hôpital? Quand, bah, l'hôpital, on a pas qu'on le bawana. L'air, alors, bah, tu vas passeport, alinga, tiango, gratuit. Ou bien la carte nationale d'identité, je ne sais pas quoi. Alors, il y a une population à le Congo. Mbongo, il y a un linga, à ça qui est gratuit. À récupérer Mbongo, à tiens, on a l'hôpital pour que Bisso, ton abisso, retraité, Bisso, va qu'il y a l'hôpital au moins gratuitement. Parce qu'ils n'ont pas de retraite. Et souvent, à cet âge-là, ils sont malades. Ils ne peuvent pas se soigner. Et Bisso, mon toto, la diaspora, tu tiens à Kambongo, il y a critiqué que ce que tu tiens à Mbongo, va retraité tout à Koufi. Bango tout va koufi. Mais c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Mais c'est ça. C'est nous qui supportons les retraités qui sont au Congo. Laisse-moi te le dire. Vous supportez vos propres parents. Mais oui, mais ce sont les retraités. Ce sont les retraités. On n'avait pas ce rôle-là. Si l'État jouait son rôle. Donc c'est pour dire aujourd'hui, cette mesure, elle est facile à mettre en place. Je ne sais pas. Puisque chaque retraité, il y a CNCS, sauf qu'il y a la crève. Donc, ce qui est une photo, va avec à l'hôpital, va s'allier ma soin. Voilà. Oui. Tu es déconnecté de la réalité. Déjà, on parle des fonctionnaires au bazar qui va jouer à l'État. Parce que un retraité, par exemple, il y a Total, jusqu'à sa mort, il peut se soigner la semaine à Total. Donc, oui, revenons sur les fonctionnaires retraités. Voilà. Ozo Lobanabango, pas en avoir soin gratuit. Yeah. Non. Na quel hôpital? CHU. Ils vont mourir. Au CHU, assister par exemple à l'établissement public et à santé, si tu n'as pas d'argent, n'y va pas. En tout cas, tu ne peux pas aller à l'hôpital sans argent. Maintenant, est-ce que tu es en train d'insinuer que l'État prenne en charge leurs soins? Mais oui. De sorte qu'ils peuvent se présenter dans les centres de santé privés, où il y a quand même un minimum de plateau technique. Là, oui. Mais tu vas demander à un retraité fonctionnaire d'aller dans un hôpital où l'infirmière n'est pas payée. Prenons le cas de Londili, depuis peut-être 13 mois, où il manque même de compresse. J'en ai vécu l'expérience. J'avais emmené un accidenté. J'ai dû faire 2 tours à la pharmacie au Saint-Babylon. Alors qu'à l'époque, on nous disait déjà que la césarienne était gratuite. Le traitement du palu pour les enfants de 0 à 5 ans était gratuit. J'ai dit au médecin, mais il est en train de mourir. Pourquoi ne pas prendre rapidement compresse au Batikabino point dans la césarienne pour soigner le Tonganaya? C'est le jour où je découvre que tout ça, c'était les effets d'annonce. Parce que pour détruire les césariennes gratuites, il faut préparer les kits et les repartir dans tous les hôpitaux concernés. Il n'y a jamais eu ça.
Serge, tu vas, moi, si tu n'as pas de l'argent, tu payes. Tu n'as pas d'argent, peut-être, non, moi, sinon, moi, non, il meurt. Donc, arrête d'envoyer nos doyens, nos papas qui sont en train de survivre. Serge Ngwakamabe, tu vois bien que dans la discussion jaillit la vérité ou bien des pistes de solutions. Bon, mon cher, tu vois, rien n'empêche à ce gouvernement de signer des partenariats puisque les cliniques privées, par exemple, qui viennent s'installer chez nous au Congo, par exemple, en lobby, ou bien ce sont des cliniques privées, ou bien même Kaka Ngayi, na Kolingo Fongo la clinique Ngayi, bon, il y a des conditions qu'il faut remplir, donc on peut signer un partenariat avec l'État congolais, qui va permettre à nos retraités de se soigner. Et c'est l'État congolais, c'est-à-dire ceux qui vont suivre la facture, après, eux, ils présentent au Trésor public, c'est quel processus, bah, ça, là, pour que le Trésor public ait foutaka bah, l'hôpital Wana. Ceux qui vont avoir money, l'État congolais a money, que n'a pas privé, kuna, ça coûte beaucoup plus cher, ils vont chercher à restructurer nos hôpitaux. Nous avons les hôpitaux, nous avons le CHU, nous avons assisté, bâti à ma condition de telle et certe que ma retraité n'a pas besoin de kuna, bas à peine à ma matériel. Oui. Ton oncle qui est retraité, il fait comment? Il vient au CHU pour se soigner. Mais non, il y a l'hôpital là-bas. Mais il y a l'hôpital là-bas, mon cher. Il y a un hôpital là-bas, non? On va immédiatement mettre à niveau tous ces hôpitaux. Mais Robert, Bishop Serge Ngwakamabe, si tu refutes cette proposition, aujourd'hui les retraités sont malades. Celui qui a une fonde lorsqu'il trotte. Non, mais je te dis seulement, nous sommes à une fonde. Non, mon cher ami. Mais mon cher ami, lorsqu'on parle, par exemple, le flux tendu, il est dans les grandes villes. Bon, donc, lorsqu'on parle de l'école, on parle bien de l'école, bon, il faut mettre les structures à l'école. Et pourtant, je sais bien que dans le Congo profond, il y a des écoles qui manquent même de tables. Bon, on le sait. Donc, aujourd'hui, moi, mon parent qui se trouve à Infondo, les retraités, là, ils sont malades, non? Parce que quand ils ne peuvent pas se soigner. Ils se soignent, ils trouvent bien des moyens. Maintenant, là, on va leur dire, écoutez, désormais, ceux aux malades, bon, qu'ils sont dans l'hôpital, ceux qui ont une fonde et Zalikuna, bah, qu'ils ne peuvent se soigner gratuitement. Ils ne sont pas nombreux. Il faut être cohérent, mon frère. Il faut être cohérent dans ta démarche. Oui. Ça dit qu'il y a à peu près 35 à 36 000 retraités. Oui. D'accord? Oui. Le reste de la population, tu vas mettre le paquet pour s'occuper d'une minorité, excuse-moi, c'est peut-être méchant, une minorité de gens, 35 000 personnes, alors qu'on a des indigents, les cas sociaux, on a fait la collecte là, c'est pour faire quoi? Donc, on ne peut pas partiellement s'attaquer à la question sanitaire sous prétexte qu'on va soulager le retraité. Il faut faire les choses de façon globale. Mais sinon, pas l'argent. Pour le moment. Mais faites une véritable réforme de santé publique. D'accord, mais comme je sais qu'ils sont... Likambote, oui, vas-y. On ne dirige pas un pays de façon discriminatoire. C'est peut-être dans l'idée des lois, mais tout ça doit être budgétisé. Moi, ce que je pense, très sincèrement, j'ai vu par exemple, quand le président Talon est arrivé à la tête du Bénin, parmi les décisions qu'il a prises, plus aucune évacuation sanitaire à l'étranger au Bénin. Nous avons des bons médecins. Exceptionnellement pour les pathologies qu'on ne peut pas traiter au Bénin. Oui. Et commençons déjà par faire ça là. Voilà. Bon, tu mets toi la perche, mon cher ami. La contrepartie va être quoi? La contrepartie va être mettre le paquet dans les quelques centres hospitaliers qu'on a. Bon, tu m'as tendu la perche. Oui. Le Congo dont nous parlons aujourd'hui, si on commence à signer les partenariats avec quelques cliniques privées, même si c'est moi qui l'ai proposé, et peut-être quelques pharmacies de la place, mais tu vas encore donner les possibilités de détournement et de vol à ces dirigeants. C'est ça, bon, c'est ça. Pour COVID, comment est-ce que on a été réquisitionner les hôtels pour mettre les gens en quarantaine avec les rétro-commissions? Nous ne sommes pas prêts pour cela. Moi, je pense qu'à un moment, il faut que le peuple se mobilise et réclame en tout civisme ses droits. On n'a qu'à restaurer les hôpitaux pour que tout le monde ait soin. Moi, je ne peux pas accepter que la retraité va dans la privilégiée et que les gens qui n'ont pas d'argent, les gens à qui la nature n'a pas fait de cadeau, vont continuer au couffa. Il faut trouver des solutions globales.
Serge Nwakamabe, tu m'as tendu la perche. Je profite de ce que tu viens de dire tout à l'heure. Le président Talon qui est arrivé au Bénin a arrêté toutes les évacuations sanitaires. Et peut-être que mes compatriotes vont comprendre ma démarche lorsque je dis « je vais soutenir Éric Zemmour ». Voilà. Mais soyez-en sûrs, notre grand frère commun, et toi et moi, Pierre et Douma, mais la guerre là-dessus, comment est-ce que je peux soutenir Éric Zemmour? Il peut se calmer, je ne voterai pas Éric Zemmour parce que j'ai quand même des valeurs à respecter. Pourquoi lorsque je dis « je soutiens Éric Zemmour » Éric Zemmour a lobby boyé à partir de maintenant, il sera l'équipe président, il n'y aura plus le droit de sol. Droit de sol, ça signifie quoi? « Soki oyi, ozui zemi, oboti awa, moi nana yon koma botami na Congo awa, akomi français. » Il y a le kambwana, le lingango le sous-souté. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Congo? Au Congo, chez nous, oui. Un bémol. Oui. Depuis quelques années, le droit de sol n'est plus automatique. Oui, mais ça, après deux, à 12 ans. Parents, oui. Il faut que l'un des deux parents ait la nationalité. Oui. C'est toi qui es français, moi je n'ai que. Mais c'est ce que, je t'explique aussi. Le droit de sol arrive après 12 ans. Et 12 ans, l'enfant peut demander sa nationalité française, ici en France. Il est né en France. Bon, donc c'est pour te dire ceci que ce qui va salir et lorsque Wana Oyoye a demandé Wana, ça voudrait dire ceci. Tu conviendrais avec moi, nos dirigeants au Congo, parce que comme va délaisser l'hôpital Nabiso, lorsque Bas Nabango va Zuba Zemi, ou bien Nabango va malade, ou bien ce qui n'y a pas, ça va en avion, va y aller au Botawa, après va Zongi. Qu'est-ce qui va se passer? Comme Bakoko Zouassou Mikandate pour que Bayaka Bayaka Awa, ils seront obligés d'accoucher dans nos hôpitaux. Lorsqu'ils vont, c'est pour ça que je dis, lorsqu'il y aura ce blocage-là, ils seront obligés d'accoucher dans nos hôpitaux. Soit, bah, comme il y a un hôpital, n'a pas Serge Nwakamabe, tu es né à Brazzaville. Moi, je suis né à Brazzaville. Et Robert, c'est ça, mon boulet, né au village. C'est pas grave, nous sommes nés au Congo, Brazzaville. Et Céline Nguabi accouché à l'hôpital militaire. Céline Nguabi épouse du président de la République. Voilà. Et puis bateau, il y a un chef Nabiso, basi na bango nyoso to un peu avant que ko bota kaka na ba hôpital Nabiso wana. To ba ko lo bateau va joyer à juiser batindie na porte ya ko bota wa. Non. Et cela va pousser à ces gens-là puisque c'est eux qui ont les décisions ba bongisa maintenant ba hôpital Nabiso parce que ceux qui te continuent kaka boué, ils vont pas prendre conscience. Ceux qui ba nati ba na bango dans l'hôpital, basi na bango dans l'hôpital, ba lembi ko bota ba kufi kuna, ils vont prendre conscience. Mais tant que ils vont continuer à faire les évacuations on va résoudre déjà, Serge Nwakamabe, ce que tu viens de dire, le problème d'évacuation sanitaire, non, le problème de nos hôpitaux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas complètement d'accord pour deux choses. Oui. Tu peux toujours contourner ton zémorisme là. Pourquoi? Oui. Ces gens-là n'envoient pas leurs femmes accoucher en Europe forcément pour la nationalité. Il y a le prestige, il y a l'orgueil, il y a le galant, il y a la fierté. Ma femme a accouché à l'hôpital américain. Il y a d'abord ça. Oui. Deuxième chose, pour contourner le droit du sol, please, ces gens-là n'ont pas honte. Ils sont capables de trouver un citoyen français d'origine étrangère à reconnaître Dieu Miyamwa Sinaï, après Saïe Mbongo, tel que Yom Alibi Bristala. Mais bon, quand tu as les sous-souterrains, les frontières sont fermées, tu ne vas plus rentrer, tu viendras comment? C'est ça, tu ne rentres non, plus. Éric Zemmour n'a jamais dit que les frontières seront fermées. Oh, mais bon, enfin. C'est pas ça le problème. Oui. Je ne pense pas que ces mesures timides puissent pousser ces gouvernants à régler les situations de nos hôpitaux parce qu'ils auront toujours les moyens d'aller accoucher ou se faire soigner dans d'autres pays comme la Russie, comme Cuba, comme les États-Unis, la Chine, je ne pense pas que c'est mieux. Parce que la meilleure médecine au monde, ce n'est pas en France. Hein. Je suis désolé. Donc, il y a quand même une simple question de volonté politique. Les hôpitaux se sont dégradés graduellement au cours des années. À mesure que le pouvoir s'éternise, je trouve que de moins en moins on prend soin de la population. Et la situation de l'hôpital, on peut la mettre de façon connexe avec celle de l'éducation. Voilà. Et ça peut se dégrader en gros, mais de mal en pire, c'est la volonté politique. Bah, je sais si pas. Tu regardes les budgets. Qu'est-ce que Robert Célestin Mambouli si oui, après, vas-y Robert et Serge, oui. Si tu regardes les budgets de l'État depuis 20 ans, je pense que juste après la défense, il y a toujours la santé et l'école. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? On ne peut pas tout politiser dans ce pays. Pourquoi on ne convoque pas un état général de la santé? Vous envoyez les gens qui ont pignon sur rue, mettez ma Kouambon, ma cardiologue, ceux qui vont nani, au Bénin, ma doyen Mouramoué, au Tiki Bango, ma traité, quelque chose à Bango, la santé.
On a aussi certains ministres qui ont été d'abord médecins avant d'être nommés ministres, mais qui n'ont rien apporté dans le système de santé. Donc, il faut que chaque spécialiste se concentre dans le domaine naïf. Dans ce pays, je pense qu'il va falloir avoir des états généraux dans quasiment tous les domaines. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le sport, ainsi de suite. Nous sommes très... Je pense, Serge Guacamabé, nous sommes très gentils avec ces gens-là, quoi ça, avec l'état généraux. Ils sont incompétents. Ils doivent dégager et le plancher, non, laisser la place. Pas des politiques. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a la corporation des médecins. Par d'accord, corporation. Ça peut être élargi aux infirmiers parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Les médecins sont le top des tops et les infirmiers sont ceux qui sont plus au contact. Donc, parce que la question est tellement profonde que ce n'est pas par un simple discours politique qu'on va régler le problème de la santé. C'est impossible. Et il faut y réfléchir profondément. Robert, c'est le cas pour citer. Oui. Tu as suivi le cas du CHU, mais les syndicalistes. Qui ont vécu les réalités du CHU pendant des années avec leur cahier de charges. Oui. Mais le politique a décidé quoi? Le politique a décidé de nous importer une expertise canadienne pour quel résultat? Aujourd'hui, bah, virer, non? Donc, il faut laisser les technocrates et les locaux faire le travail. On a vu Mme Ambiro qui était arrivée là, avant Rossalam, Rossalam, quoi, est bien, mais moi, t'es ma bine, ma bébé, Longoli. Robert, c'est ça, Mambouli, sur la proposition, puisqu'on parlait des retraités, en disant que non, il fallait. Qu'on peut prendre une décision, là, ça peut déjà soulager, puisque nous sommes incapables de donner les pensions à tous ces retraités. Et si on décidait aujourd'hui, le président a pu peut le dire, même le 31 décembre, à Coco, ça là, il décide la gratuité des soins de tous les retraités, bah, qu'il y a à l'hôpital, n'importe quel hôpital, bah, qu'il y a, doivent être reçus là-bas gratuitement. Alors, peut-être que tu as suivi et notre échange aussi avec Serge Mbarambe, tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus avant que nous nous séparons. Maurice Landré Déco, oui. Regarde, dans le cas où nous sommes, même pas seulement la gratuité des soins. Aujourd'hui, Ndenge président Azawana, ils peuvent décider que non, voilà, pas foutababa retraité, au moins deux pensions d'un minute au yo, pas les sabas faites. Pas qu'on soit mon bon, on va jouer 4 milliards, y a Ninoa. 4 milliards et demi. 4 milliards et demi, pas vu en bois. Pas 4 milliards et demi. La minute où vous allez à Brice Landry Déco, à Paris, les autres, bon, les autres, bon, les autres. Je vous ai dit, les gens du clan, ils ont des puits, il y a Bango Mabate. Tous les jours. Donc, on peut dire que non, tu auras combien, tu auras Paris, combien par jour. Bon, après, bah faut avoir ce temps. Donc, tu causes à la programme, après 6 mois au moins, tu causes à la date en la caisse, tu sauver Batou. Ils peuvent faire ça. Et à monter ma mabé, Brice Landry Déco. Il y a besoin, c'est vrai, parce que c'est la responsabilité d'État, de l'État, il y a qu'on s'occupe de toi. L'État, on a un bon rapport, quand on a un bon rapport, on a un bon rapport. Mais notre petit qui va voir la merci, il y a bien tout, ma VC, ma Nini, ma Koufa, Nanzal. Il y a des gens à un certain âge, donné au troisième âge, tout ça ne va pas tout léger, mais là, au cause de la hypertension, mais la vacisme pour le tout, bien sûr. Au cause de la cholestérol, oui, oui. Au cause de la bouillie. Oui. Mais non, bon, mais ça, tu vas voir le rangoua. Donc, bah, quoi, venez, bah, moi, m'aide un peu dans ce cadre-là. Bien au sûr. Moins, là, peut-être que deux mois, il y a pension. Ah, bah, fait toi, à mon quand même, moi, qu'est. On peut le faire. On peut le faire. Merci, Brisson. Merci beaucoup. Donc, pour dire le dernier commentaire, et puis pour clôturer avec Serge Nguarabé, un internaute qui nous dit clairement, moi, je pense que ce qu'il vient de dire là, c'est très gentil. Et Chris Isongwe, il dit un problème. Et c'est un problème, regarde pratiquement toute l'Afrique et pas seulement le Congo. Nos différents gouvernants en Afrique préfèrent acheter des véhicules 4x4 de luxe à 80 millions que d'équiper notre système sanitaire. Voilà. Tu vois, il y a toujours des solutions. Bah, véhicule, bah, son, bah, mingi, mingi, bloc, wa, nabakoko, kangamite, nalobina, bino, ango, awa. Le Congo, on a dit ceci que nous étions en crise. Ces gens-là n'ont même pas pensé à diminuer leur salaire. Diminuer en côté. Voilà. Serge Nguacamabé, pour le mot de la fin, nous allons nous séparer. Alors, mon cher ami. Bon, moi je pense que c'est... Moi, je suis pessimiste. Hein? Je suis pessimiste qu'on soit là à réclamer à la cause du problème, de trouver la solution au problème. Hein? Je suis pessimiste. Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut républicain? Je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que derrière la misère de nos retraités, il y a aussi... toute une population muette qui croupit dans,
dans ce pays à cause des mêmes dysfonctionnements. Et malheureusement, Brice, nous avons chicoté, nous avons l'analyse sous sous, la nation ne l'a pas. Donc, deux fois, je me demande si nos cris de cœur sont pris en compte. Oui, malheureusement, okay. Oui. Si on reste sur le principe de la continuité de l'État, ça va faire 24 ans qu'on attend des solutions au moins populaires sur l'hôpital, l'école, le panier de la ménagère, et Zoyagaramouta. Donc, je veux clore mon propos avec, avec une grande tristesse. Merci. Merci beaucoup, Serge Ngouar Kamabé. Merci. Et Robert Célestin Mambouli, merci Chrissy Bouka, merci à tous les panélistes qui ont participé à cette émission. C'est bien dommage, il y a eu une coupure générale au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, ceux qui ont un peu des moyens ont pu quand même sauver l'honneur avec les groupes électrogènes, mais sinon nous avons perdu beaucoup des panélistes. C'est la réalité au Congo-Brazzaville. Adugaga, oh, on est là. Ah oui, Adugaga a coupé le courant. Je tiens à remercier aussi tous les internautes qui nous ont suivis. Donc, chers amis, on se retrouve dimanche prochain, je suppose, peut-être la dernière de l'année, parce qu'après nous tombons dans les fêtes. Donc, on se dit à dimanche prochain. Les émissions continuent sur Ziana TV. À très bientôt.